السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi 25 صفر 1435 de l'Hégire correspondant 28 décembre 2013 بإذن الله تعالى. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, avec le 24e cours, 24e cours du livre Le dogme du monothéisme, Al-Fawzan Hafidahullah. La fois passée, on avait vu, on avait parlé petite A ou bien grand A de l'anti-islam, le Jahiliya. Nam, on a expliqué. Ensuite, on a parlé de B, la perversion, le fisq. Fisq. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, C, l'égarement. Donc A, B, C et D. Donc C, l'égarement. Ad-dalal, ad-dalal, ad-dalal. Le Cheikh Hafidahullah dit, il dit, le mot ad-dalal, qui est l'égarement, signifie la déviation du droit chemin. Signifie la déviation du droit chemin. C'est le contraire du mot al-hidayah, la guidance. Je répète, le mot ad-dalal, en français l'égarement, signifie la déviation du droit chemin. Son contraire, c'est quoi? C'est al-hidayah, la guidance. Donc on a la guidance et c'est l'égarement. C'est dalal. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: "Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadillu 'alayha." 17:15. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Donc, quiconque prend le droit chemin, c'est pour lui-même. Allah Azza wa Jalla ne gagne rien quand tu prends le droit chemin. Il ne gagne rien. Non. Et si jamais tu prends le mauvais chemin, jamais tu ne feras de mal à Allah Azza wa Jalla. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Si tout le monde, non, si tout le monde, tous les êtres humains se donnent la main et le mot, ils vont dire on va tous devenir kuffar et yani sortir de l'islam ou bien ne pas rentrer dans cet islam, jamais ça ne fera aucun tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne fera aucun tort. Et si tous les êtres humains vont se mettre d'accord pour rentrer au l'islam, ça ne fera aucun bien à Allah azza wa jal. Non, c'est seulement pour yani c'est au profit de celui qui rentre, c'est tout. Al-muhim, certes Allah ta'ala aime que les gens rentrent en islam et HAIT, il déteste. Et que les gens, yani, soient des mécréants. Mais, comme j'ai dit, ça ne lui fait ni un bien, ni un tort. De plus, le terme égarement s'applique à plusieurs sens. Six sens. De plus, le terme égarement s'applique à plusieurs sens. On va voir le premier, inshallah ta'ala, le premier sens. C'est pas ça. Une seconde. Oh, ce que j'ai été fait, ce que j'étais. L'égarement, c'est la mécréance. Des fois, l'égarement, c'est la mécréance. Comme
lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, regardez le verset, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. 436. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, et en ses messagers, et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Quelqu'un va dire, il s'égare, c'est tout. On va lui dire, si tu connaissais l'arabe, tu aurais su que s'égarer a plusieurs sens, a six sens. Entre autres, c'est devenir mécréant, comme dans ce verset. Ici, s'égare, ça veut dire devenir mécréant. Si quelqu'un va dire, quelle est la preuve? La preuve, c'est la fin du verset. Il s'égare comment? Loin dans l'égarement, loin, loin. Loin, c'est la mécréance. On peut s'égarer juste un peu, faire yani, des choses, yani, mal, des bidas et revenir. Mais, quand il a dit loin dans l'égarement, ça veut dire c'est la mécréance. C'est awal. Deuxièmement, l'égarement peut être, yani, peut signifier l'association. L'association. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. 416. Quiconque donne des associations à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Regardez, s'égare très loin dans l'égarement. S'égare, ça veut dire quoi? Ça veut dire il a fait shirk, l'association. Non, la preuve, il a dit, il donne des associés. Donc, il a fait l'association. Un petit shirk ou un grand shirk? Un grand. Pourquoi? Il a dit très loin dans l'égarement. Très loin dans l'égarement. Ça, c'est le deuxième sens de égarement. Dalal. Non, troisième sens. L'égarement peut être une transgression qui n'atteint pas la mécréance. L'égarement peut signifier une désobéissance, une mukhalafa. Une mukhalafa. Une désobéissance, non, une transgression, mais qui n'atteint pas le statut de la mécréance. De la mécréance. Parfois, il désigne. Il a dit ici, Cheikh Fawzan Hafidallah, parfois il désigne la transgression qui est moins grave que la mécréance. D'où l'expression les groupes égarés. On dit Al-Firaqu Dalla, les groupes égarés, qui sont les groupes qui ont dévié du droit chemin. Yani Al-Firaq Al-Mukhalifa Dalla. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus mécréants. Il y a des groupes, non, qui sont, on peut les qualifier de d'égarés, mais pas au point d'être, par exemple, d'être des kofars. Non. Quatrièmement, l'égarement peut avoir le sens de seulement erreur. Erreur, c'est tout. Ad-Dalil, regardez dans le Coran, lorsque il a dit, Qala, Moussa alayhi salam a dit. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين 26-20. C'est-à-dire, il a répondu au pharaon, il a dit, je l'ai fait, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre des. Qu'est-ce que ça veut dire je l'ai fait? Je l'ai fait, ça veut dire j'ai tué une personne. Car quand Moussa a voulu dire au pharaon qu'il était un prophète, il a dit quoi? Un prophète, tu tues des gens. Quelqu'un qui n'est pas prophète, afin qui est prophète, ne tue pas une personne. Non. Il lui a dit, donc tu n'es pas prophète. Moussa al-Islam lui a répondu, je l'ai fait, je l'ai tué. Mais quand j'étais, je faisais partie du nombre des égarés. C'est-à-dire, je l'ai fait par erreur. Non, je l'ai fait par erreur. Égarement ici, c'est pas j'étais dans l'égarement qui est la mécréance ou l'association ou autre chose. Mais certes, Moussa al-Islam ne voulait pas tuer. Ne voulait pas tuer cet homme des enfants d'Israël. Mais, comme Moussa alayhi salam était très fort de corpulence, et en même temps très, comment on dit, yani, masha'Allah, yani, plein de tonus, na'am. Juste, il l'a poussé un peu comme ça, en le frappant d'un petit coup, il est tombé mort. Donc, il a dit, j'ai fait ça par erreur. Na'am. Ça, c'est quatrièmement. Donc, si quelqu'un, bien sûr, ne connaît pas que égarement a plusieurs sens et entre autres erreur, il va dire Moussa a été égaré. Moussa a été égaré, naam. Donc il était dans la mécréance. Cinquièmement,
Égarement, dalal, peut signifier aussi oubli. Peut signifier aussi oubli. Regardez ce verset. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل ولا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الله تعالى parle de يعني quand on fait un prêt par exemple ou un emprunt, il a dit faites en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes et à défaut de deux hommes un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins. Pourquoi deux femmes? En sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. L'une d'elles s'égare. Quelqu'un va dire, elle va s'égarer. Elle va devenir quoi? Elle va devenir Rawafid. Non, elle va oublier. Quelle est la preuve? La preuve, il a dit, l'autre puisse lui rappeler. Le verbe rappeler veut dire est venu en face de s'égarer. Donc, celui qui ne s'égare pas, c'est celui qui se rappelle, ici, dans ce contexte. Et celui qui s'est égaré, ça veut dire qu'il a oublié. Donc, pourquoi deux femmes? La femme oublie beaucoup plus que l'homme. Oublie beaucoup plus que l'homme. Il en faut deux. Si jamais une oublie, au moins l'autre lui rappelle. Et oublie ici, et oublie ici a été, le verbe a été employé, le verbe égarer à la place d'oublier, pour dire que l'égarement, ça a le sens de quoi? De l'oubli. Enfin, sixièmement, il s'applique aussi pour dire la perte ou bien la disparition d'un objet ou bien d'un objet. On dit dalatul ibil. Regardez, dalatul, dalal, égarement. Et le mot chameau. Dallatul ibil, le dromadaire égaré. Non, le dromadaire égaré, ça veut dire on l'a perdu, on le cherche. Non, c'est pour ça que le prophète a interdit que quoi? Qu'on fasse ce qu'on appelle en arabe un nenshuda ad-dalla dans la mosquée. Il a interdit que quelqu'un rentre dans la mosquée, commence à dire par exemple, est-ce que quelqu'un a vu par exemple mon dromadaire? Je l'ai pas trouvé. Est-ce que quelqu'un a vu ma moto? Elle était devant la porte, je l'ai pas trouvé. Est-ce que quelqu'un a vu mes souliers? On me les a volés. Tu veux dire comme ça? Pas dans la mosquée. La mosquée, c'est pour adorer Allah Azzawajal et faire le tesbih, le dhikr. Voilà mon portefeuille. Non, c'est pas comme ça. Va devant la porte. Devant la porte de la mosquée, dit comme ça. Pas à l'intérieur. Tout ce qui se perd, ça s'appelle Dalla. Dalla. Et donc, le mot égaré peut prendre donc ce sens aussi, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, ceci, c'était quoi? C'était C. C'était C, l'égarement. Maintenant, on va passer, inshallah ta'ala, à D, qui est très important. L'apostasie, rida. Ces catégories et les jugements qui s'y rapportent. C'est très important. Il faut, bien se concentrer, bien écouter et écrire ce qui est incompréhensible, par exemple, ou incompréhensif. Naam, pour, inshallah ta'ala, que je l'explique après. Dites-moi d'abord, est-ce que le son est bien et clair? Alhamdulillah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire durer cette ni'ma. L'apostasie, rida, catégorie. Et les jugements qui s'y rapportent. Le mot rida signifie en arabe le retour. Le mot rida. L'apostasie s'appelle en arabe rida. Ça vient de quel mot? Le retour. Le retour. Il y a quelqu'un qui me téléphone. C'est un admin. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Enchada, ça peut être, on dit ici, enchada, ça peut être réclamé. Ça peut être. Mais ici, dans le hadith, c'est réclamé à haute voix. D'où le mot nashid. Nashid. Enchada, les anashid. Anashid, ça se fait à voix haute. Non, c'est pas entre ses lèvres. Sinon, c'est pas des anashid. Le mohim.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je disais, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَرْتَدُّ عَلَى أَدْبَارِكُمْ 5.21 وَلَا تَرْتَدُّ عَلَى أَدْبَارِكُمْ نعم. Ne revenez pas, ça veut dire la tête de ne faites pas l'apostasie. Mais il y a quoi? En faisant apostasie, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un retour. On a dit la fois passée que toujours, à chaque fois qu'il y a un mot, nam, dans le sens étymologique en arabe, ensuite ce mot est employé dans le sens religieux, il y a toujours une relation entre le sens étymologique, littéraire, et le sens religieux. Toujours, toujours. On l'a vu dans les deux cours passés. Aujourd'hui, on voit que Rida, sens étymologique, littéraire, retour. Maintenant, religieusement, c'est la mécréance après l'islam. Où il y a le retour? Eh bien, il y a le retour d'être retourné vers son dîn. Car je suis devenu musulman, ensuite j'ai apostasié. Donc, je suis revenu, il y a le retour vers mon ancien dîn, ou là mon premier, ou là ma première religion. Voilà. Donc, retour. Al-Muhim. Donc, religieusement, Ridda signifie la mécréance après l'islam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 2.217. Et ceux parmi vous qui abjureront leur religion vont la quitter. Et mourant infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu et ils y demeureront éternellement. Donc toute personne qui délaisse sa religion et l'abjure, on veut dire islam bien sûr, et mourra infidèle. Pourquoi il a dit mourra infidèle? D'abord, je vais revenir. Donc, cette personne, vaine sera tout ce qu'elle a, elle a fait auparavant dans cette vie et dans l'au-delà. Tout ce qu'elle a fait de bien, de tout ce qu'elle a fait, si elle meurt infidèle, après l'apostasie, tout ce qu'elle avait sera nul. Et elle fera partie des gens du feu et elle y restera éternellement. Car on peut faire partie des gens du feu, comme les musulmans qui ont fait des grands péchés et auxquels Allah Ta'ala n'a pas pardonné. Ils vont rentrer en enfer, mais sortir un jour. Car leur dernière demeure sera le paradis. C'est toujours comme ça pour quelqu'un qui est mort musulman. Mais celui qui a fait l'apostasie, quand il va rentrer au feu, il va y rester éternellement. Je reviens un peu plus haut. Et ceux parmi vous qui abjureront leur religion, qui vont apostasier, et mourront infidèles, il faut qu'ils meurent infidèles. Parce qu'il est possible que quelqu'un fasse l'apostasie, et ensuite il reste quelques années, 10 ans ou 5 ans là dans l'apostasie, et ensuite il revient vers l'islam. Celui-là, qu'est-ce qui va se passer pour lui? S'il avait fait par exemple des choses, par exemple comme le Hajj, ou là, il avait jeûné, il avait fait beaucoup de choses, yani, d'obéissance. Quand il apostasie, toutes ses bonnes actions vont rester suspendues. Et on va attendre. Comment qu'il va mourir? Est-ce que il va revenir vers l'islam et mourir musulman, ou bien il va mourir dans l'apostat? S'il meurt dans l'apostat, c'est ce verset qui s'applique. Vaines seront leurs actions, voir les gens du feu, et ils vont rester éternellement. Pourquoi il a dit, et mourront infidèles. Mais maintenant, s'il a apostasié, et il est resté 4 ou 10 ans ou 30 ans dans l'apostat, ensuite, il est revenu vers l'islam. Les actions vont recompter de nouveau. Allahu Akbar. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il avait fait le hajj va compter. Il n'aura plus besoin, après être revenu encore une fois vers l'islam, il n'aura plus besoin de faire le hajj. Subhanallah al-Azim. Et tout ce qu'il a fait comme salat, comme siyam, ça va lui compter, bi'ilnillahi ta'ala. Naam. La grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala aurait pu dire, quiconque apostasie, c'est tout ce qu'il a fait est nul. Et si jamais il revient vers l'islam, il doit revenir à zéro. S'il a fait le hajj, il ne compte pas. Il faut qu'il fasse le hajj à nouveau. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, non, miséricorde. Tu as apostasié,
Allah yahdik. Seulement, on espère pour toi que tu reviennes, c'est tout. Car si tu meurs dans l'apostasie, c'est très grave. Toutes tes bonnes actions sont suspendues. On va attendre. S'il revient vers l'islam, on dit Alhamdulillah pour lui. Alhamdulillah pour lui. Il dit, et donc mon hajj est annulé, je dois refaire le hajj. On lui dit non, il compte. Il compte, bi'illah, car tu n'es pas mort infidèle. Non, tu es toujours vivant et tu es revenu vers l'islam. Alhamdulillah. Al-Muhim. Maintenant, on va voir quoi? Ces catégories. Les catégories de l'apostasie. Combien? Afwan. Qu'est-ce qu'on fait pour devenir apostat? Elles sont au nombre de 5. Si on fait l'une des 5 choses que je vais citer, on devient apostat. Et attention à ceux qui ont les ouest-ouest, ceux et celles qui ont les ouest-ouest. Hein? Donc, quand je vais les citer, il va dire donc moi j'ai fait ça, je suis devenu apostat, etc. Non. Perdre de l'islam, comme ça facilement. Comme ça facilement. Premièrement, ar-riddatu bil qawl. Ar-ridd, apostasie par le verbe. Par le verbe. Le verbe, c'est quoi? C'est le parler. Hein, le verbe. Cheikh Fawzan Hafidhallah dit, tel qu'insulter Allah, j'ajoute moi, insulter aussi l'islam, pas seulement Allah, insulter l'islam. Cheikh dit, ou son messager, ou ses anges, ou l'un de son messager, non, l'un de ses messagers, tu insultes Isa alayhi salam, Jésus, tu es devenu apostat. Tu insultes Ibrahim, tu es devenu apostat. Tu insultes Adam, tu es devenu apostat. Tu insultes Noé, qu'ils appellent Noé, tu es devenu apostat. Et comme ça, 124 000. Si l'un d'eux, tu l'insultes, tu es devenu apostat. Subhanallah. C'est également le fait de prétendre connaître l'invisible, ou prétendre la prophétie, ou croire celui qui la prétend. Très grave. C'est également le fait de prétendre connaître l'invisible. Imaginez combien yani de nos, disons de peut-être de nos mères, de nos grands-mères, de nos tantes, qui sont des sorcières. Et qui, les gens vont chez elles pour qu'elles, yani, Zama, elles prédisent l'avenir. Elles te disent, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce qui va t'arriver demain. Elle est devenue apostate en faisant ainsi. Subhanallah. Elle est sortie de l'islam. Elle est sortie de l'islam. Naam. Connaître l'invisible. Naam. Bien sûr, celui qui croit aussi en elle et dit, c'est vrai, elle connaît l'invisible. Il est devenu comme elle. A'oudou billah. Et celui qui prétend la prophétie. Il dit que je suis prophète. Ou alors, celui qui croit. Il dit, je crois que cette personne, Naam, je crois en elle. Elle est devenue prophète. Cette personne aussi est devenue apostat et sortie de l'islam. C'est aussi le fait d'invoquer autre qu'Allah Ta'ala. Le fait d'invoquer autre qu'Allah Ta'ala ou lui demander l'aide. Lui demander l'aide. En quoi? Pour une affaire que ne peut exécuter sinon Allah. Vous avez compris? Demander de l'aide à une personne, par exemple, à une autre personne, mais lui demander une chose que seul Allah peut exécuter. Pourquoi on dit que seul Allah peut exécuter? Ça veut dire que tu peux demander de l'aide à une personne en une chose qu'elle peut exécuter. Tu lui dis, par exemple, aide-moi, prête-moi 100 euros. Aide-moi, prête-moi ton appartement. Aide-moi, prête-moi ta moto. Tout ça se fait. Non. Pourquoi? Tu lui as demandé une chose qu'il peut exécuter. Mais si tu lui dis, aide-moi, donne-moi des enfants. Je n'ai pas d'enfants. Non. Aide-moi, fais tomber la pluie. Non. Ce sont des choses que seul Allah Ta'ala peut donner. Là, tu as apostasié en lui demandant une chose que seul Allah Ta'ala peut, quoi? Peut donner. Aussi, le fait de demander protection à quelqu'un contre un mal qu'il est incapable de repousser. Le fait de demander protection à quelqu'un contre un mal qu'il est incapable de repousser. Non. Tu vas chez un mort devant un tombeau, tu lui demandes d'arrêter
les inondations. Tu lui demandes, tu lui dis, yani on va être englouti par l'eau. Je te demande d'arrêter, yani cette inondation et je vais, par exemple, je vais t'immoler un veau ou une vache. Non, tu as demandé de repousser le mal de l'inondation alors qu'il ne peut pas le repousser. Seul Allah Ta'ala peut le repousser. C'est un exemple là. L'apostasie verbale. Tout ça, c'est l'apostasie verbale. Deuxièmement, deuxièmement, rida bil fi'l, l'apostasie par les actes. L'apostasie par les actes. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, dit, tel que se prosterner pour une idole, un arbre, une pierre ou les tombeaux et immoler pour eux. Non. Ou alors mettre le Coran dans des endroits impurs, pratiquer la sorcellerie, l'apprendre, la sorcellerie, ou l'enseigner, ne pas juger d'après ce qu'Allah Azzawajal a révélé en croyant que ceci est permis. Naam, Cheikh a bien dit pour ne pas pour se démarquer des takfiri. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne pas juger avec les lois d'Allah Azzawajal en mettant dans le cœur que c'est permis de faire ainsi. Pour montrer la différence entre celui qui juge avec les lois d'Allah en croyant que c'est permis et l'autre qui juge avec les lois d'Allah en croyant que ce n'est pas permis. Le premier qui dit c'est permis et il juge avec les lois, autres lois que celles d'Allah, il a apostasie. Et celui qui dit non, c'est pas permis, c'est interdit de juger avec ces lois, mais je juge dans la contrainte ou dans d'autres choses, celui-là, hein, il n'est pas devenu, il n'a pas apostasie. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît le caractère et le statut illicite de ce qu'il fait. Que c'est haram ce qu'il fait. Naam. Donc il a dit quoi? Il a dit, je répète, se prosterner pour une idole. J'ai vraiment, vraiment, vraiment été déçu, déçu, chagriné, chagriné. Vous pouvez pas savoir à quel point, quand j'ai vu, ça fait seulement un mois, je n'avais jamais vu ça dans ma vie. Jamais de ma vie. Quand j'ai vu, il y a un roi arabe, musulman, subhanallah al-azim, et il y a les gens comme ça, il est arrivé à cheval, à dos de cheval, dans une cérémonie ou je ne sais quoi. Une seconde. Je disais que les gens qui l'attendaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient préparés pour cela, pour la cérémonie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un imam qui s'approche comme ça, et eux, ils ont fait une file derrière lui, une vingtaine ou une dizaine derrière lui, et il s'est incliné. Il s'est incliné, comment on s'incline? Pour la prière. Et toutes les personnes qui étaient derrière les 20 ou là, se sont inclinées, comme on s'incline quand on est à la mosquée, derrière l'imam quand il s'incline. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Subhanallah. Et qu'il y en ait qu'un musulman fasse comme ça. Non. C'est vraiment, vraiment grave. On ne dit pas la personne est devenue kafir ou là. On ne sait pas si la personne sait ou ne sait pas si cette chose se fait ou ne se fait pas. Hein. Non. Mais on dit que c'est vraiment grave. Il a dit se prosterner à une personne. Se prosterner ou s'incliner. Moi, j'ajoute s'incliner. C'est la même chose. C'est la même chose. À une idole, un arbre, non, sans parler des personnes qui s'inclinent ou là, qui se prosternent à des chanteurs, à des stars, non, ils se prosternent à leurs pieds, à leurs pieds. Un arbre aussi, une pierre, des tombeaux, immolés pour eux, non, immolés pour eux. Mettre le Coran dans des endroits impurs, mettre le Coran dans des endroits impurs. Quelqu'un va me dire, j'ai pas fait exprès. Non, on parle de celui qui fait exprès. On ne parle pas de celui qui jette le Coran ou le piétine en croyant que c'est un livre de philosophie. Celui-là, il n'a pas de péché. On parle de celui qui fait exprès. Il prend le Coran, il le jette par exemple dans les toilettes ou il jette par terre ou il jette. Il le fait exprès. Il a apostasié. Non. Il a dit aussi pratiquer la sorcellerie.
Cheikh Ibn Uthaymin, contrairement à Cheikh Fawzan Hafidhahullah, a dit que pour devenir kafir, si on fait la il a dit la sorcellerie ça se divise en deux. Si on travaille avec les djinns et on fait appel aux esprits, etc., on est devenu kafir, on a apostasie. Il a dit, mais si c'est seulement, il y a une idée, on prépare des choses, comme par exemple, on dit, ramenez-moi la queue d'une souris, ramenez-moi, je ne sais pas, un cafard, et on mélange ça, et on donne à manger à quelqu'un. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, on n'est pas devenu kafir. Non. Mais d'après Cheikh Fawzan Hafidhahullah, il a dit, c'est général. Si on apprend le sihr, le fait, ou on l'enseigne. Troisièmement, c'était quoi ça? L'apostasie par les actes. L'apostasie par les actes. J'ajouterai une chose que je me rappelle maintenant et je ne l'ai pas cité. Ah. Les savants ont dit, celui qui tue un messager. Celui qui tue un messager. Pourquoi c'est grave? Pourquoi ça fait rentrer dans la mécréance? Le messager, c'est le symbole de qui? C'est un homme comme nous. Non, c'est le symbole de la religion. En le tuant, c'est comme si tu voulais tuer la religion qu'il veut propager. Non. Maintenant, troisièmement, l'apostasie. Attendez, on va voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a ici dans le. Parce qu'il n'y a pas ça, je crois, dans le livre. Une seconde. Et 4. Donc, on est à troisièmement. L'apostasie par la croyance. Taïb, une seconde. Je ne sais pas si je suis connecté avec vous ou là, si je ne le suis pas. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc, réécris, une seconde, je réécris. Une seconde. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Ça. Donc on est au troisième mot ou là, au quatrième mot. Une seconde. D'accord. L'apostasie par la croyance. Écrivez numéro 1. Alhamdoulilah. Premièrement, c'est l'apostasie. L'apostasie verbale. Deuxièmement, l'apostasie par les actes. Troisièmement, l'apostasie par la croyance. Rida bil i'tiqad. L'i'tiqad. Tel que croire à l'existence d'un associé à Allah Azzawajal. Ou bien penser que la fornication, l'alcool ou l'usure sont licites. Penser et croire que le pain est interdit, que la prière n'est pas obligatoire, et autres parmi les choses sur lesquelles les savants sont unanimes quant à leur permission, interdiction ou obligation, et que la personne n'est pas censée. Ça, c'est quoi? C'est l'apostasie par la croyance. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a ajouté le fait de nier que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, non, est au-dessus des cieux, ou là, dans les cieux, au-dessus du trône. Il a dit, ça va rentrer aussi dans l'apostasie. On ajoute, pour ceux qui savent et qui nient, pas pour les millions de personnes qui ne savent pas cela. Les millions de musulmans qui ne savent pas cela. Mais ceux qui savent, ils ont la science et ils disent non, je veux pas attester cela. Non. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin, il devient kafir.
Donc je répète, tel que croire à l'existence d'un associé à Allah Azzawajal, ou penser que la fornication, l'alcool, l'usure sont licites. Pourquoi il a cité par exemple la fornication, l'alcool et l'usure? Ce sont des choses qu'on appelle, ce qu'on appelle en arabe, ma'loum min ad-din bid-darura. Des choses que aucun musulman n'a le droit de dire, je ne savais pas, j'ignorais. Je savais pas que la zina c'est haram. Je savais pas que l'alcool c'est haram. Je savais pas que l'usure c'est haram. Est excusé seulement qui? Celui qui vient convertir, qui est nouveau dans le dîn. Ou celui qui vivait par exemple en Amazon, avec les crocodiles et les singes. Je n'ai jamais entendu ça. Non. Croire que le pain est interdit. Il va dire le pain, c'est interdit de le manger. Non. Alors qu'il sait que c'est halal. Quoi encore? Que la prière n'est pas obligatoire. Il dit la prière, c'est pas obligatoire. Celui qui veut, il l'a fait. Celui qui veut, qui ne veut pas, il ne la fait pas. Il a apostasié. Quatrièmement, l'apostasie par le doute. Ridatu bishak, afwan. Ridatu bishak. C'est le fait de douter de ce qui est cité ci-dessus. C'est le fait de douter de ce qui est cité ci-dessus. Comme celui qui doute de l'interdiction de donner quelque associé à Allah Azzawajal. Ou bien doute de la fornication. Il doute. Il dit je suis pas sûr que c'est interdit. Ou de l'alcool. Il a des doutes. C'est également le fait de douter de la permission de manger du pain. Naam. Ou du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou des autres prophètes. Ou douter de sa crédibilité. Yani du prophète. Ou encore douter en religion islamique. Ou bien douter de sa validité à notre époque. Il y a zahma des musulmans, des milliers, si ce n'est pas des millions. Tu dis bien sûr je suis musulman, et alors? Tu as des doutes. Je suis parti 3 fois au Hajj et 5 fois à la Umra. Tu ne sais pas ça. Mais si tu fais un dialogue avec lui, il te dit mais l'islam, par exemple, n'est pas valable de nos temps. Quand il veut dire par islam, il veut dire par exemple la sharia. Tu dis la sharia, c'était pour autrefois. L'islam, c'est aller à la mosquée, c'est jeûner, faire le hajj, donner la zakat. Mais il te dit, on n'applique pas par exemple la sharia. La sharia, c'était autrefois, les gens, c'était des barbares. Non, il fallait leur couper la main s'ils volent. Et maintenant, non, il y a la technologie, il y a l'émancipation. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas par exemple la sharia. Le voile. Le voile, maintenant, la femme est émancipée. Le voile se trouve dans le cœur. Regarde, alhamdoulilah, comme elle a de bon, quand elle a un bon comportement, de bon adab, ça lui suffit. Il y a des femmes avec des djilbabs qui font des moussaïba et des masaïb. Des choses vraiment graves. Donc celle-là, alhamdoulilah, elle n'est pas voilée, mais elle a la foi dans le cœur, masha'Allah. C'est une femme émancipée qui marche avec la technologie, et masha'Allah. Donc il te dit, la sharia c'était pour l'époque de l'obscurantisme. Celui-là, il a apostasié. Celui qui dit comme ça, il a apostasié. Il y a beaucoup de nos pères et de nos grands-pères, mais c'est qu'ils qui disent comme ça. Surtout qui? Ceux qui vivent avec les mécréants. Naam. Ils leur ont fait rentrer cette chose dans leur cœur, les pauvres. Ils ont absorbé ça. Et même la vomir. C'est rentré dans leur cœur, dans leur sang. Ça fait 50 ans qu'il prie, et il dit toujours cette phrase, que la sharia, ça ne marche pas maintenant de nos jours. Ça nous suffit la démocratie. On a maintenant la démocratie, ça nous suffit. C'est comme la sharia, c'est la même chose. Il a apostasie miskin. Après lui avoir appris que ce qu'il dit est très grave, et que ça rentre dans l'apostat. Non. Je crois qu'il y a cinquièmement que notre qui est celui-là, celui qui a écrit le livre, notre auteur, n'a pas cité, par censure ou par peur ou par je ne sais pas quoi, mais alhamdoulilah qu'il y a dans le livre officiel de Cheikh Fawzan en arabe. Qu'est-ce qu'il y a cinquièmement et que notre auteur n'a pas cité? Il y a Ridda bit Tark. L'apostasie par le délaissement.
l'apostasie par le délaissement. Naam. Puisqu'il n'y a pas ici, donc une seconde que je lise en arabe, puisqu'il n'y a pas ici, que je lise en arabe, une seconde, chauffe. Une seconde, je cherche le fichier. طيب وصل الفيشي هذا وسكيلين سكوندا مسجد بالتوك ان سكوند الشيخ فوزان توحيد الشيخ فوزان ان سكوند جو شيرش وسكوني Une seconde, واحد, اثنين, ثلاثة, خمسة. ردته بالترك. طيب، il a dit on va voir d'abord, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez. Vous m'entendez. Alhamdulillah. Il a dit, Hafidhahullah, ridatu, cinquièmement, bitark. Par délaissement. Comme un taraka salat muta'ammidan. Comme celui qui délaisse la prière, siamon, siamon, muta'ammidan. Sallallahu alayhi wa sallam, bayna l'abdi wa bayna l'kofr, wa shirki, tarku salat. Naam, tarku salat. Donc, on va citer aussi un hadith, on va citer aussi voilà le hadith. Il a dit بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. Entre le serviteur et la mécréance et l'association, il y a le délaissement de la prière. Hadith authentique. Naam. Entre le serviteur, entre lui et quoi? Et la mécréance et l'association, il y a la prière qui est au milieu. Donc il y a le serviteur et ensuite il y a la prière. Et un peu plus loin là-bas, il y a quoi? Il y a la mécréance et l'association. Si jamais tu délaisses la prière, tu tombes dans la mécréance et l'association. C'est ce que veut dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Tayyib. Maintenant. Quels sont les jugements qui découlent de l'apostasie après qu'elle soit confirmée? Quels sont les jugements? Après confirmation d'apostasie, quels sont les jugements qui vont découler? Cinq jugements vont découler, c'est-à-dire, si on va dire et confirmer que telle personne est devenue apostat, cinq jugements doivent découler. On va voir, inshallah ta'ala, le premier. Non. On doit accorder à l'apostat un délai de 3 jours pour se repentir. On doit accorder à l'apostat un délai de 3 jours pour se repentir. S'il se repent et revient à l'islam, on doit accepter son repentir et le libérer. D'abord, je dois vous dire que les savants ne sont pas unanimes pour le délai de 3 jours. C'est Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala qui a, yani, disons, fait cette sunna. Une fois, il a laissé un apostat 3 jours. Les savants ont dit, on prend de ce qu'a fait Omar, car le prophète a dit, عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي suivez ma sunna et la sunna des califs bien guidés après moi. Et Omar Mokhtar fait partie de l'un des 4 califs. Donc on prend de sa sunna radiallahu ta'ala anhu. Premier jugement, on lui donne un délai de 3 jours pour qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib.
Maintenant, s'il refuse de se repentir, il doit être tué, comme dans le hadith qu'on va citer. Cette chose, bien sûr, ne l'a pas cité celui qui a traduit en français, mais il a mis des points. Il a mis comme ça pour le deuxième jugement et le troisième jugement. Heureusement, alhamdoulilah, qu'on a le livre en arabe. Donc le deuxième jugement, c'est quoi? C'est que s'il refuse de se repentir, il doit être exécuté. Comme dans le hadith. Quel est le hadith? Voilà le hadith. Il a dit, Man baddala dinahu faqtuluh. En français, quiconque change sa religion, tuez-le. Tuez-le. Rapporté par Bukhari. Quiconque change de religion, ou sa religion, tuez-le. Est-ce que ça s'applique par exemple à quelqu'un qui était chrétien et va changer de religion? Et il va rentrer en islam. Est-ce qu'on va le tuer? Le hadith a dit quiconque, n'importe qui, change sa religion, tuez-le. Donc le chrétien, ou là le bouddhiste, s'il rentre en islam, est-ce qu'on le tue? Le juif, s'il devient chrétien, est-ce qu'on le tue? Le chrétien, s'il devient juif. Ça ne s'applique que aux musulmans. S'il quitte sa religion, c'est tout. Car ce sont des religions de kofr et des mécréances. Aller du judaïsme au christianisme, du christianisme au judaïsme, ça ne change rien. Non. Mais aller de l'islam à une autre religion, ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Après avoir connu tous les bienfaits de l'islam, la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit j'accepte pas, je rejette tout, je n'ai pas besoin de paradis. J'aime l'enfer. Non, je m'en fous, je vais en enfer comme tout le monde. Tu vas voir. Non, quiconque change sa religion, non, surtout maintenant il était avec les musulmans, il connaît tous leurs secrets, il connaît les secrets de la guerre, de tout. Non. Et le mohim, ça c'est le troisième jugement que yani, l'auteur n'a pas cité. Quatrième jugement. Ou plutôt deuxième. Maintenant c'est le troisième. Qu'il n'a pas cité aussi. Qu'il n'a pas cité aussi. Il est pris pour la gérance de ses biens lorsqu'il se repente. S'il se repent, ses biens lui reviennent. Sinon, ils feront partie du butin des musulmans. Bayt al-mal. Bayt al-mal muslimin. Dès qu'il apostasie, khlas, il n'a plus droit à ses biens. Quand on dit bien, les gens à la banque, tout est saisi. Saisi et suspendu et on attend. Pendant les 3 jours, est-ce qu'il va se repentir ou pas? Non. Donc il ne gère plus ses biens jusqu'à ce qu'il se repente. S'il se repent, ses biens lui reviennent. Sinon, ils vont faire partie du butin des musulmans. Non. Quatrième jugement qui va découler. La suppression du droit d'héritage entre lui et ses proches parents. Non. Si jamais il ne revient pas après les 3 jours, pour ceux qui ont dit en 3 jours, et il meurt. Non. Il n'y a plus d'héritage entre lui et ses proches parents. Ça veut dire que ses proches parents n'ont pas le droit d'hériter ce qu'il a laissé. Même s'il a laissé des milliards et des milliards. Pourquoi? Il n'y a pas d'héritage entre un musulman et un mécréant. Entre un musulman et un mécréant. C'est pour cela que toute personne qui a des parents mécréants, comme les reconvertis, qui savent que si jamais les parents meurent, ils ne peuvent pas les hériter, doivent profiter dès maintenant de demander à leurs parents de leur faire une donation de leur vivant. Vous avez compris? La donation, c'est permis. Si maintenant un keuf, un mécréant, veut me faire un legs, ce qu'on appelle une donation. Il me dit, viens, on va chez le notaire, je vais écrire en ton nom, là ma maison, ou là ma ferme. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Non. Mais, s'il meurt, je ne peux pas l'hériter si j'étais son fils, ou là son père. Donc, les reconvertis doivent profiter de demander à leurs parents, en leur expliquant que, voilà, c'est comme ça l'islam, si jamais il se passe quelque chose, moi, je vous souhaite pas la mort. Mais si jamais il se passe quelque chose, il faut que vous sachiez que je n'ai pas le droit, aucun droit, à
frères et mes sœurs, pas à moi. Donc, si c'est possible que vous m'écriviez quelque chose. Elle-même, ça, c'était quoi? C'était quatrièmement. Enfin, cinquième jugement et dernier. Très important. S'il meurt, ou bien est tué, s'il meurt de lui-même pendant les 3 jours, ou bien il est tué après les 3 jours, pour son apostasie, on ne le lave pas, on ne prie pas sur lui, on l'enterre pas dans les cimetières des musulmans, mais on l'enterre dans un cimetière de non-musulmans. Ou alors, à défaut, on l'enterre dans une forêt, dans n'importe quel endroit, excepté un cimetière musulman. D'où la gravité de l'apostasie, vous comprenez? C'est très grave. On ne le lave pas, on ne prie pas sur lui. Et on ne l'enterre pas avec les musulmans. Mais on va creuser un trou n'importe où, dans la forêt, ou je ne sais où, on creuse un trou et on le jette à l'intérieur. Non, on revient à la maison. Non. Puisse Allah Ta'ala, le miséricordieux, très miséricordieux, nous préserver de l'apostasie. Et puisse Allah Ta'ala, puisse Allah Azzawajal, Rahman Rahim, Naam, qui nous englobe dans sa miséricorde et nous fasse mourir musulmans mouahidin. Subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rendez-vous dans un quart d'heure à peu près, inshallah Ta'ala. Bismillah et wassal. Donc la première question, chère, question d'un frère qui dit: Cheikh, Allah ybarik fi ilmikum, Cheikh, hafidhakum Allah. Je voudrais poser une question, qu'Allah nous en préserve, qu'à notre époque, ce qui est bien dommage et très grave en ce qui concerne les gens qui insultent la religion à tout vent. Certains disent que c'est par colère, mais subhanallah, c'est à chaque fois. Et ce qui est grave, c'est que cela devient habituel. Veuillez nous expliquer la gravité de cette chose. Jazakumullahu khaira. Aussi, quel jugement? Est-ce vrai ou faux qu'il faut lui interdire son épouse tant qu'il ne s'est pas repenti? En espérant que cela est bien clair, cher, qu'Allah vous accorde le firdaus ainsi que les admins pour leur travail. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum. Est-ce que le son est bon? Alhamdoulilah. La plupart des savants, yani, disent que celui qui insulte Allah Azza wa Jal, l'âme, a apostasie. La plupart des savants disent celui qui insulte Allah Azza wa Jal a apostasie. Ceux qui lui ont trouvé une excuse ont dit, peut-être que sera excusé celui qui vraiment, 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 vraiment a perdu la raison dans sa colère. Au point où il ne savait plus ce qu'il faisait. Comme Moussa alayhi salam qui a jeté la Torah. C'était sous l'effet de la grande, grande colère, il ne savait pas ce qu'il faisait. Certains, ceux qui ont permis, ont dit, yani, seulement dans cette parenthèse, vraiment, si son père était devant lui, il aurait aussi insulté son père. Et il aurait frappé, car il ne savait plus ce qu'il faisait. Non. Sinon, la plupart disent non. Ils disent, tant qu'il a insulté Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'excuse. Maintenant qu'il ait fait ça dans la grande colère ou pas, la personne doit faire vraiment le repentir. Doit faire vraiment le repentir. Car s'il ne l'a pas fait dans un moment de colère, ça, ils sont tous unanimes pour dire qu'il a apostasie. Et à partir du moment où il a fait cela, où il a apostasie, sa femme devient vite en période de viduité. Parce qu'il n'a plus le droit de l'approcher jusqu'à ce qu'il revienne encore une fois vers l'islam. Et si maintenant la période de la femme de viduité se termine et n'est pas revenue, elle est divorcée sans qu'elle ait besoin d'aller divorcer. Certains ont voulu dire que, yani, mais il y a ce qu'on appelle l'habitude. Des fois, l'enfant vit dans une société où ils sont habitués à insulter et ils commencent comme ça à insulter Allah Ta'ala sans le vouloir.
La réponse, Nam, les savants ont dit, alors celui qui insulte par habitude, la preuve qu'il sait ce qu'il dit, et qu'il dit et que c'est pas par habitude, c'est que, pourquoi, si ses parents sont présents devant lui, son père et son mère, pourquoi il dit pas des gros mots? Nam, pourquoi? Il insulte Allah par habitude, mais si c'est des gros mots, il ne les dit pas. Il peut pas devant son père, il fait telle et telle chose. Pourquoi il le dit pas? Nam. Donc ça se voit qu'il sait ce qu'il est en train de dire. Il sait ce qu'il est en train de dire. Nam. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous préserve de celui qui insulte Allah ou le prophète ou bien l'islam. Tfadhal. Barakallahu fikoum, Cheikh. Sur la fin, c'est un peu coupé chez moi. Je ne sais pas si vous avez répondu sur le fait de confisquer, enfin de l'interdire à son épouse. Donc, de lui interdire son épouse plutôt. Alhamdoulilah, Cheikh. Donc, question suivante d'un frère qui dit: Cheikh, qu'Allah vous accorde le Firdaus ainsi qu'aux admins. Amin, barakallahu fik. Comment joindre entre la croyance au destin de Ahlus Sunnah, entre Jibriya et Al-Qadariya? Et le hadith où Adam alayhi salam a dit à Moussa alayhi salam, ceci a été écrit 50 000 ans avant la création, qu'il allait désobéir. Donc comment joindre entre ce hadith, Cheikh, et la croyance de Jibriya et Al-Qadariya? Et Cheikh, comme il y a pas mal de nouveaux, si vous pouvez expliquer brièvement ce qu'est la croyance de Jibriya et Al-Qadariya. Le Jabriya ce sont deux sectes à l'opposé. Deux sectes à l'opposé. Le Jabriya dit que tout ce qu'on fait a été écrit contre nous. Tout ce qu'on fait a été écrit. Donc, si tu fais un péché, il te dit c'est pas ta faute. C'est Allah Ta'ala qui l'a écrit. Toi, pourquoi tu bois l'alcool? Tu dis Allah yahdini. Hein? Ça, c'est écrit dans la tablette préservée. Pourquoi tu fais pas la prière Allah yahdini? C'est écrit comme ça. Ça, c'est Jabriya. Comme quoi, on n'a pas ce qui s'appelle en français le libre arbitre. Mais on est contraint de faire des choses. Naam. Et le Qadariya, c'est tout à fait le contraire. Il s'appelle Qadariya du mot Qadar, destin, prédestiné. Parce qu'il le nie. Ils disent. Il n'y a rien qui est écrit sur la tablette préservée. Tout ce que tu fais, c'est toi qui l'as fait. Non, ça n'a pas été écrit. Et Ahl Sunna ou Jama'a sont toujours au milieu. Sont toujours au milieu. Ils sont au milieu. Ils disent que tout a été écrit dans la tablette préservée, mais écrit dans le sens que Allah Ta'ala a su que tu allais le faire, mais ne t'a pas contraint à le faire. Si c'est un bien, ça vient d'Allah. Si c'est un mal, ça vient de toi. Si c'est une obéissance, ça vient d'Allah. C'est lui qui t'a aidé. Naam. Si c'est une désobéissance, ça vient de toi. De ton nefs, c'est ton shaitan. C'est pas Allah Ta'ala qui t'a écrit, va faire la désobéissance. Mais il a su que tu allais la faire, il l'a écrite 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Il aurait pu attendre que tu la fasses et l'écrives. Mais pourquoi il attend tout ça? Attend celui qui n'a pas de science. Il dit peut-être qu'il ne va pas la faire et moi je vais me tromper, je vais l'écrire. Peut-être qu'il va changer d'avis. Mais celui-là, il sait qu'est-ce qu'il y a dans les poitrines. Avant d'avoir créé, il savait cela. Donc il a écrit d'avance. Parce qu'il sait que tu allais faire le péché. Le quant au hadith de dialogue qui s'est passé entre Adam et Moussa alayhi salam, et que Moussa alayhi salam a dit à Adam, c'est ta faute. C'est toi. Yani, qui nous a fait sortir du paradis. Et Adam lui a dit, Yani, tu veux me blâmer pour quelque chose que Allah Ta'ala a écrit, ça fait 50 000 ans, avant de créer les cieux et la terre, ou là, avant de me créer, ou là. Il lui a cité quelque chose comme ça, Mouhim. Ou bien il a dit 40 ans avant cela. El Mouhim, qu'ont dit les savants? Qu'est-ce qu'ils ont dit en cela? La meilleure parole, c'est celle qu'a dite Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Moussa n'a pas blâmé l'autre, yani Adam alayhi salam, pour nous avoir fait paradis. Naam.
Il n'a pas blâmé, Naam, pour ce qu'il a fait. Il a dit, pourquoi tu nous as fait sortir du paradis? Et Adam alayhi salam, justement, lui a répondu, Subhanallah, il lui a dit, certes, le péché, ça veut dire, il a voulu dire comme ça, certes, le péché, c'est moi qui l'ai fait, mais moi, je me suis repenti. Je me suis repenti. Naam. Et le fait que Allah m'ait fait sortir du paradis, ce n'est pas de mon ressort. Donc toi, tu me blâmes pour quelque chose qui n'est pas de mon ressort. Moi, certes, j'ai fait le péché. Mais le péché, quand je l'ai fait, j'ai pas dit c'est Allah Ta'ala qui m'a dit de le faire. J'ai fait le repentir. Naam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, fait taba'ali. Naam. Mais le fait que si je fais le péché, Allah Ta'ala nous fait sortir du paradis, ça, c'est pas de ma faute. Ça, c'est Allah Ta'ala qui a décidé de cela. Donc, tu n'as pas à me blâmer d'une chose qui était écrite. Subhanallah al-Azim, dans la tablette préservée. Et Adam alayhi salam a établi la preuve sur Moussa alayhi salam. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, la meilleure parole de Ibrahim et qui ont dit que toute personne qui fait un péché, si elle se repent, elle a le droit de, yani, de se baser sur la prédestination. C'est-à-dire, toute personne qui, par exemple, a bu de l'alcool, même autrefois. Si une personne te dit aujourd'hui, toi, tu buvais de l'alcool autrefois, tu dis quoi? Tu dis, Qaddarallahumma shafa'al, c'était écrit. Pourquoi? Car tu as fait le tawba de l'alcool. Tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Mais si par contre, la personne jusqu'à présent fait le péché, elle boit de l'alcool, on lui dit pourquoi tu bois de l'alcool? Il dit c'est écrit. On lui dit non, qui t'a dit que c'est écrit? Tu as vu toi, qu'est-ce qu'il y a dans ta tablette préservée? Peut-être que c'est écrit qu'il faut pas boire. Non, on lui dit va faire la tawba. Non, va faire la tawba et quand tu fais la tawba, tu peux dire que c'était écrit. C'est pas que tu vas boire maintenant, tu vas dire que c'est écrit. Qui contre moi, je peux rien faire. Je peux rien faire. Non, Allah Ta'ala, naam, la ya'mur bil fahsha. La ya'mur bil fahsha. J'espère que c'est clair, inshallah Ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cheikh. Inch'Allah, normalement, c'est très clair. Question suivante, question d'un frère qui dit, Hassanullah ilaykoum, cheikh. Concernant l'apostasie par la croyance, vous avez dit que cela concernait les personnes qui rejettent sciemment ce qu'Allah a autorisé, interdit ou rendu obligatoire. Vous avez donné l'exemple d'une personne d'une personne qui dit que l'alcool est autorisé ou la fornication est autorisée, alors que ce sont des choses clairement interdites par Allah. Ma question est donc la suivante. Peut-on dire d'une personne qui rejette la musique, qui rejette que la musique est interdite en islam, est exposée à ce sort, cher Barakallahu fikoum. Donc, Samar, j'ai pas bien compris la question. C'est possible de la redire, Inch'Allah Ta'ala? Donc il a dit que vous avez dit que l'apostasie par la croyance, ce sont les personnes qui rejettent sciemment ce qu'Allah a autorisé, interdit ou rendu obligatoire. Et vous avez donné l'exemple d'une personne qui dit que l'alcool est autorisé ou que la fornication est autorisée, alors que ce sont des choses clairement interdites en islam. Donc sa question est la suivante. Peut-on dire qu'une personne qui rejette que la musique est interdite en islam est exposée à ce sort? Donc, est-ce que la personne qui rejette le fait que la musique soit interdite, est-ce qu'elle est à classer avec les personnes qui disent par exemple que l'alcool, la fornication et ce type d'interdiction, est-ce que c'est la même chose ou pas cher? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc je confirme que pour Moussa alayhi salam, qu'il avait dit que est-ce que tu me blâmes maintenant pour quelque chose que Allah Ta'ala avait écrite 40 ans, comme ça, 40 ans avant de me créer. Et non pas 50 000 ans. Allah Ta'ala a écrit toutes les choses, comme vous savez, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Je reviens à la musique. La musique ne rentre. Il n'a pas le même statut que l'alcool
et la fornication et l'usure. Pourquoi? Parce que l'alcool, la fornication et l'usure rentrent dans ce qu'on appelle le ma'loum min ad-din bil irtirar. Des choses que l'on doit connaître par contrainte, que tout musulman doit contraindre et qu'aucun musulman n'est excusé. Surtout, surtout, comme j'ai dit, les musulmans qui vivent dans un pays musulman. Maintenant, si c'est un reconverti ou bien qu'un musulman qui vient de connaître l'islam, je ne sais où, dans Osmahadik, comment ça s'appelle, le pôle Nord, et peut-être qu'il n'y a ni internet ni rien, et, ou un chinois dans la forêt de la Chine qui vient de rentrer en islam qui ne connaît rien, celui-là, s'il fait la zina, on lui dit pourquoi il dit je ne savais pas, on ne va pas lui appliquer le had. Non. On ne va pas le punir. Pourquoi? Parce que yani, il a une situation spéciale. Sinon, un musulman qui vit dans un pays musulman et qui va faire la zina et appliquer sur lui le had, il va dire non, je ne savais pas, il n'est pas excusé. Pourquoi? Ce sont des choses qu'on doit connaître par contrainte. Chaque musulman doit les connaître. Maintenant, la musique, non, ne rentre pas dans ces choses. Pourquoi? Jusqu'à de nos jours, jusqu'au moment où je vous parle, il y a des millions de musulmans qui ne savent que haram. De musulmans qui ne savent pas que la musique est haram. Mieux encore, au pire, il y a des millions de musulmans qui peuvent te donner des dalils que la musique est halal. Et te dit, j'ai entendu le Qaradawi, j'ai entendu le Ghazali, j'ai entendu X dire que la musique est halal, et voilà, je te donne des dalils. Je peux te donner des dalils. Et il peut même revenir à un grand savant qui s'appelle Ibn Hazm al-Andalusi, qui ne le connaît pas, et qui a affaibli des hadiths dans le Sahih al-Bukhari, clair dans l'interdiction de la musique. Il dit, c'est pas vrai, le hadith est faible, jamais la musique n'a été interdite. Il dit, la musique c'est halal. Donc ce sont des gens, des musulmans, qui ont des shubha. Des shubha, il te dit, moi c'est un savant qui l'a dit, moi je prends de l'avis de ce savant, je ne suis pas convaincu que c'est haram. Et bien sûr, il se trompe, mais c'est entre lui et Allah demain quand il va le rencontrer. Donc on ne peut pas dire de lui qu'il a apostasie, c'est impossible. Naam. Tfadlal. Maklou fi kom cheikh, question suivante d'une sœur qui dit, cheikh, on a vu que les actions de l'apostat reviennent vers l'islam. Mais cheikh, qu'en est-il s'il revient vers l'islam après avoir apostasié? Bénéficie-t-il de la ni'ma de celui qui rentre en islam et donc que tous ses anciens péchés sont effacés? Et cheikh, pouvez-vous m'expliquer, car je ne comprends pas la différence entre celui qui a la croyance qu'une chose est interdite mais l'applique, est un pécheur, et le murji? Car un jour, une personne m'a dit que celui qui sait que le hijab est obligatoire et dit à sa fille de ne pas le mettre a mécru et est murji. Et je ne fus absolument pas convaincu de cela, mais j'ai du mal à comprendre cette nuance. Barakallahu fikoum, cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ta'ala. C'est une question, et comme c'est assez long, le dernier m'a fait oublier le premier. Là, les derniers mots de la question m'ont fait oublier les premiers mots de la question. Si c'est possible, de la répéter, Inch'Allah ta'ala, tfadlal. Naam, cher, je vais commencer par la première question, après on passera à la suivante, Inch'Allah. Donc, cher, on a vu que les actions de l'apostat sont suspendues jusqu'à ce que celui-ci revienne en islam. Mais qu'en est-il s'il revient vers l'islam après avoir apostasié? Bénéficie-t-il de la ni'ma de celui qui rentre en islam, mais donc que tous ses anciens péchés sont effacés? Barakallahu fikoum, cher. Naam, il bénéficie bi'idhnillahi ta'ala, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tawbatu tajubbu ma qablaha wa tuhdim ma qablaha aydan. Les deux hadiths sont authentiques. Il a dit alayhi sallallahu alayhi que la tauba allait quoi? Allait anéantir et démolir ce qu'il a précédé comme péché. Et ça c'est général pour toute personne qui fait la tauba, qu'il soit un apostat ou un autre, ou un hindou. Donc, alhamdoulilah, il bénéficie bi'idhnillah
de cette ni'ma, car quand même, il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. S'il avait voulu, il aurait yani, il serait encore noyé dans le coffre. Comme a dit Allah ta'ala, les kafaru tout mazdadu kufran, ceux qui ont mécru et ont ajouté, zdadu, et se sont, ont ajouté, se sont noyés encore dans le coffre. Tfadla, ça c'était le, une partie de, donc de la question. Tfadla, c'est quoi la deuxième? La deuxième partie, cher, pouvez-vous m'expliquer, car je ne comprends pas la différence entre celui qui a la croyance qu'une chose est interdite, mais l'applique, est un pécheur et le mourdi. Car un jour, une personne m'a dit que celui qui sait que le hijab est obligatoire et dit à sa fille de ne pas le mettre a mécru et est un mourdi. Je ne suis absolument pas convaincu de cela, mais j'ai du mal à comprendre cette nuance. Barakallahu fikoum. Je crois qu'en lisant, je crois que tu as oublié quelque chose dans la première partie aussi, sauf s'il y a eu un, une coupure chez moi. Tu as dit, celui qui croit une chose et la pratique, c'est un mourji. Peut-être tu voulais dire, il ne la pratique pas. Donc, dis-moi ce qu'il faut lire. Tfadlal. Ibn Mohamed, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? À fond de chercher, j'ai pas entendu, non? Ça a coupé chez moi apparemment. Maintenant, écrit numéro 1. Écrit numéro 1. Alhamdoulillah. J'ai cru entendre que tu as dit, que tu as dit, Allahu alam, yani, celui qui croit en une chose, on croit en une chose, et l'applique, comme ça tu as dit. C'est un mourdi. Je pense que tu voulais dire, il ne l'applique pas, il ne l'applique pas, et non pas l'applique. Relis, relis. Voilà comment elle est venue, cher. La différence entre celui qui a la croyance qu'une chose est interdite, mais l'applique, est un pécheur et le mourdi. Je vous avoue que moi, je n'ai pas compris la tournure de cette phrase, sûr. Non, jusqu'à présent, j'ai compris. Jusqu'à la phrase et le mourdi. Est-ce qu'il y a quelque chose après le mourdi? Ou bien c'est une autre question qui vient? Tfadlal. Non, juste après, cher, c'est l'exemple. Elle a dit, une personne m'a dit que celui qui sait que le hijab est obligatoire et dit à sa fille de ne pas le mettre, a mécru et est un mordi. La différence entre celui qui a la croyance qu'une chose est interdite mais l'applique. Mais l'applique, c'est pas, on peut pas dire ici appliquer. On applique une chose qui est obligatoire ou la conseillée. Ici, on dit la différence entre celui qui a la croyance qu'une chose est interdite mais la fait. Il fait la chose interdite. Voilà, il transgresse. C'est pas il l'applique. Oui, maintenant j'ai compris. Car le verbe appliquer, il m'a fait des ambiguïtés. Est un pécheur. Naam, et le mourdi. Je dis, toute personne qui croit que telle chose est interdite dans son cœur, il dit cette chose est interdite et l'a fait, c'est seulement un pécheur. Et on va dire de lui, il a fait un grand péché, si la chose est un grand péché, et un petit péché, si la chose est un petit péché. Je donne un exemple. Il dit l'alcool est haram. Et il boit. C'est seulement un pécheur. Elle dit, le hijab ou le djilbab est obligatoire. Et elle ne le met pas. C'est seulement un péché. C'est seulement un péché. Un grand péché. Ça n'a rien à voir avec Mourdji. Ça n'a rien à voir avec Mourdji. Celui qui a dit ça, c'est un djihad. C'est un djihad. Le Mourdji, ça vient de irja. C'est-à-dire, tu as reculé. وآخرون مرجون إلى أمر الله كما قال تعالى الله تعالى وآخرون مرجون إلى أمر الله et d'autres الله تعالى il a dit on a reculé pour la sentence un murji en islam c'est quoi c'est quelqu'un qui se dit dans le cœur que les actions n'ont aucune influence sur la foi tu peux être un musulman comme Abu Bakr Siddiq sans que tu fasses quoi que ce soit, sans prier, sans mettre le djilbab, sans faire les actions.
C'est ça le murji. Le murji, c'est celui qui fait sortir les actions de la croyance. Naam. Mais il les fait sortir dans son cœur. Il dit, il n'y a pas. Il y a seulement, tu attestes avec ton cœur et la langue. Vous avez compris? Tu dis dans ton cœur, tu attestes, et avec sa langue, tu dis, Shahadun la ilaha, Shahadun Muhammad Abdur Rasulullah. Tu fais partie des murji'a. Ou alors seulement avec ton cœur. Comme les Jahmites, par exemple. Il dit, c'est la croyance, c'est seulement connaître Allah. Ce sont aussi des murji'a. Ou alors, dire que attester que Allah existe, c'est tout. Naam. C'est comme les Ash'arites. Naam. Eux aussi, ce sont des murji'a. Car les Jahmites disent que yani, ta'lam anna Allah mawjoud. Sans avoir besoin de faire des choses. Ce sont des murji'a. Naam. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Pour eux, Iblis, c'est un musulman. Pourquoi? Parce qu'il connaît Allah ta'ala et il sait qu'il existe. Naam. Et l'Ash'ari'a, ils disent tasdir. Croire que Allah ta'ala existe, ça suffit. Ce sont aussi des murji'. Donc cette personne qui a parlé là, c'est pas la personne qui a posé la question. Celle avec laquelle elle a parlé, c'est vraiment yani, quelqu'un de djihad. Ensuite, autre chose. Quelqu'un qui dit, écoutez bien, apprenez bien. Quelqu'un qui dit, l'alcool est haram, mais boit de l'alcool. Parce qu'il aime l'alcool et il aime se saouler. Quelqu'un qui dit, la zina c'est haram, mais il fait la zina. Ces deux-là sont des pécheurs. Ils ont fait des grands péchés, mais sont toujours musulmans. Maintenant, on va prendre le contraire. Quelqu'un qui dit, hein, l'alcool n'est pas haram. L'alcool, c'est licite. Et il ne va pas en boire. Car il a peur. Il a peur d'Allah. Même si c'est licite, il dit, afwan. Bon, il ne peut pas d'un côté dire c'est licite et avoir peur d'Allah. Al-Muhim, quelqu'un qui dit l'alcool c'est licite, il dit, mais moi je bois pas d'alcool. Celui-là, c'est un kafir. Et pourtant, il n'a pas bu l'alcool. Jamais de sa vie, il n'a bu d'alcool. Viens boire d'alcool. Il dit, non, moi je bois pas l'alcool. Ah, moi je bois pas. Mais c'est licite. Celui-là, il est un kafir. Et l'autre qui a dit, la zina c'est licite, c'est pas haram. Mais moi, alhamdoulilah, je fais jamais de zina. Il est kafir. Et pourtant, il n'a jamais fait de zina. C'est un kafir. Naam. Maintenant, donne-nous la troisième question qui a rapport avec le djilbab. Donne toujours la troisième, ça a rapport avec ce que je veux dire. Tfadal. Afwan Cheikh, j'étais débordé en privé, j'ai pas entendu la fin de votre phrase. Termine, bac la question. Qu'est-ce qu'il a dit si elle met le hijab ou je ne sais pas quoi? Termine la question. On a dit donc que pour l'exemple, la personne lui a dit, celui qui sait que le hijab est obligatoire et dit à sa fille de ne pas le mettre, a mécru et est un murji. Est-ce que cela est vrai ou pas, cher? Est-ce que vous m'entendez? Celui-là, je lui dis, comme a dit Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit une phrase célèbre. Je lui dis la phrase qu'a dit Ibn Taymiyyah. Celui-là, adallo min himari ahlih. Celui-là est plus égaré que l'âne de sa famille. Autrefois, chaque famille avait un âne. Naam. Celui-là est plus égaré que l'âne de sa famille. Naam. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Naam. Celui-là, vraiment, il est égaré, il connaît rien du din. Pourquoi? Il a dit, celui qui dit que le hijab est obligatoire. Ensuite, il ne laisse pas sa fille le mettre. Il a dit, il a mécru. Mesquine. Mesquine, ya jahel. Mesquine. Le fait, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le fait de reconnaître que le hijab est licite, déjà tu as fait quoi? Tu as fait l'un des deux devoirs. Car Allah Ta'ala t'as demandé deux choses. De croire en ce qu'il a descendu et d'appliquer. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ici? Tu as cru en ce qu'il a descendu. Tu as cru
que le djilbab ou le hijab était obligatoire. Déjà, tu as fait un des deux devoirs. Et le deuxième, c'était de le mettre. Tu l'as pas mis. Tu as manqué à un devoir et tu as fait un devoir. Comment tu peux devenir kafir lorsque tu as fait déjà la moitié du devoir? Allah yahdik miskin. Tu es plus égaré que l'âne de la famille. Naam. Et il a dit compta. Et aussi, il est devenu mourdi parce qu'il l'a pas, il l'a, elle l'a pas mis. Ça n'a rien à voir avec le mourdi'a ici. Ça n'a rien à voir avec le mourdi'a. Le mourdi'a, c'est d'avoir attesté dans le cœur que les actes ne rentrent pas dans la foi. Que les actes ne rentrent pas dans la foi. Ça n'a rien à voir ici. Naam. Tfadal. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: concernant l'apostat du doute, comment rectifier les erreurs de certains vieux musulmans en France qui ont des doutes? Barakallahu fikoum pour votre patience et votre temps pour nos chers. Je reviens juste un peu en arrière pour dire, quand il a dit que celui qui dit que le hijab est obligatoire et empêche sa fille de le mettre, il a mécru, non, il est devenu takfiri. Les takfiri qui font quoi? Et plutôt, il est devenu aussi khawarij. Non, les khawarij qui disent que le musulman, s'il fait un grand péché, il est devenu kafir. Et celui-là, il a fait un grand péché de ne pas voiler sa fille. Alors pour eux, il est devenu kafir, parce qu'il n'a pas voilé. Et ils ont oublié qu'il reconnaît le statut de mettre le voile. Ça, ils l'ont oublié. Ils sont plus égarés que les ânes de leur famille. Non. Quant à la question que tu as posée, Afoun, je ne l'ai pas entendue car je pensais à cette réplique. Tfadal. Monsieur, je vous la répète. Donc le frère demande: concernant l'apostat du doute, comment rectifier les erreurs de certains vieux musulmans en France qui ont des doutes? Allah fait comme je. Je ne sais pas exactement quel genre de doute ils ont. Mais la personne qui a des doutes dans les choses yani, sur lesquelles il ne faut pas avoir de doute, c'est grave pour elle. La personne qui doute, par exemple, aujourd'hui elle dit il y a le paradis et demain il n'y a pas. Ensuite, après-demain, elle dit si, si, il y a. Ensuite, un autre jour, elle dit non, il n'y a pas de paradis. Cette personne, il ne faut pas avoir de doute. Quelle apostasie? Non. Je ne sais pas s'il y a des vieux qui pensent comme ça à ce point. Non. Mais qui doutent, est-ce que Mohammed est un messager? Un jour il dit oui, c'est un messager. Ensuite il dit, ah, je crois pas qu'il soit un messager. Hein. J'ai des doutes, laissez-moi réfléchir. Si c'est comme ça, c'est apostasie. Pourquoi? L'islam est venu te dire qu'il te demande la conviction. Tu dois avoir la conviction qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer, que Mohammed c'est le messager, c'est le dernier, que nous c'est un messager, que Isa c'est un messager, et comme ça, la conviction. Si tu doutes, c'est un messager, tu as quoi? Tu as apostasie, a'oudou billah. Tfadal. Cher, je lui ai demandé s'il avait un exemple. Il a dit par exemple sur les aspects religieux comme le port de la barbe. Non, c'est pas ça le doute. Ça, c'est pas un doute. Non. Ça, c'est pas un doute. Ça, non, il va dire les savants ont divergé. Alors moi, j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est halal ou si c'est haram. Il a un manque de science, c'est tout. Non, ça rentre pas dans ce qu'on est en train de dire. On parle de celui qui doute de quelque chose dans laquelle il n'y a pas de divergence. Naam. Mais maintenant, si je ne sais pas si la barbe est obligatoire ou pas, la musique, si elle est obligatoire ou pas, je ne sais pas. J'ai des doutes. Des doutes, ça veut dire que je ne suis pas encore convaincu. Celui-là, il me dit c'est halal, celui-là, il me dit c'est haram. Moi, j'ai pas de science. Naam, je ne peux pas trancher. Et j'ai toujours des doutes si c'est haram ou halal. Non. C'est pas de ce qu'on parlait. Tu as des doutes dans la aqida. Tu as des doutes dans des choses clairement interdites.
Tu as des doutes maintenant que la zina est interdite. Tu as le doute que yani, l'alcool est interdite. Non, ce sont des choses dans lesquelles on ne peut pas avoir de doute. Et maintenant, tu doutes. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que Laylat al-Qadr, est-ce que c'est le 27 ou bien le 25, ou bien c'est le 21, j'ai des doutes, je ne suis pas sûr. Non, tout ça n'a rien à voir avec l'apostasie. Tout ça n'a rien à voir avec l'apostasie. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cheikh. Question suivante d'un frère qui dit: cheikh, comme on le sait, le vote est haram en islam. Je voudrais savoir si cela rentre dans l'apostat et si oui, lequel. Qu'Allah vous préserve ainsi que tous les cheikhs reconnus en Algérie, barakallahu fikoum, ainsi que les admins. Qu'Allah vous préserve ainsi que vos familles. Jazakallahu khair al-karim. Le vote est haram en islam parce que c'est une. Comment dirais-je ce n'est pas une tradition des musulmans. C'est une tradition des kofars. Et le kofar, il faut quoi? Il faut yani s'en démarquer d'eux. Et nous, on a dans notre charia ce qui nous suffit. On n'a pas besoin de ramener des choses des kofars dans le mode de vie ou bien, ou bien, ou bien. Rien de. Comme on a par exemple, nous on a le fait de prêter allégeance. On a le fait de prêter allégeance au gouverneur. Qu'est-ce que j'ai à faire avec le vote? C'est pour cela que les takfiri, quand ils m'ont entendu une fois dire que Naam, il fallait voter pour Bouteflika, ont saisi l'occasion. Ils ont dit, ah, il a dit le mot voter. Donc il est pour le vote, donc il dit qu'on doit aller faire les rangs et faire signer la carte et la tamponner et je ne sais pas y revenir. Non. Et moi, Allah Ta'ala est témoin que je voulais dire quoi? Yani que si Bouteflika est musulman, non, et que c'est lui le gouverneur, je dois lui prêter allégeance. Sans aller faire la chaîne, etc. Déjà, dans mon cœur, j'ai prêté allégeance. Et ensuite, il y a al-hilul ard, il y a des gens proches qui vont te représenter. C'est comme ça en islam. El-Mohim, qu'est-ce qu'il a dit aussi ici? Il a dit. Répète, qu'est-ce que tu as dit à la fin de la question, puisque le vote est haram, etc. Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit donc, je voudrais savoir si cela rentre dans l'apostat, donc dans l'apostasie, et si oui, lequel. Même une personne qui va voter, on va voir maintenant qu'est-ce qu'elle veut par là. Si dans son cœur, elle dit que ça, c'est pas dans la charia, non, et que je vais le faire pour telle ou telle chose, je reconnais son statut illicite, non, elle a fait seulement un péché. Comme ça disent les savants de Al-Sunnah. Non. Mais si elle dit ça, c'est à la place de la charia. Ou bien ça, c'est comme la charia, ou ça c'est mieux que la charia, comme disent certains. Ils disent maintenant on a la démocratie. Ça suffit, on n'a pas besoin par exemple de la charia. Dans ce cas, elle a apostasié, ou l'iyadu billah. Dans ce cas, elle a apostasié, ou l'iyadu billah. Naam. Sans oublier que certains grands savants, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a permis le vote dans les pays de Kuffar, dans certains contextes et dans certaines situations. Que j'ai essayé une fois, si vous vous rappelez, et ça existe sur Internet. Vous pouvez trouver ça sur Internet pour ceux qui ont l'arabe. Naam. Tfadlal. Un frère cheikh demande par rapport à la question précédente concernant le hijab. Il dit, il y a un hadith que le prophète dans lequel le prophète a dit que n'est pas le croyant le zani au moment où il fornique. Je pense que c'est de ce hadith dont il parle. Il dit, enfin, est-ce que vous pouvez l'expliquer ce hadith? Non, demande-lui d'abord s'il maîtrise un peu l'arabe. Car je vais lui citer des choses en arabe très difficiles à traduire en français. Dis-lui s'il maîtrise l'arabe. Sinon. Naam, oui, naam, non, s'il maîtrise, c'est pas s'il comprend. Tout le monde comprend l'arabe. Tous ceux qui sont dans le salon, si je dis, je dis salam alaykoum, ou bien je dis masmouk, tout le monde comprend ce que j'ai voulu dire. Mais
Je demande s'il maîtrise l'arabe. Cher enfant, vu la tournure de sa question et de son pseudo, Allahu Alam, il comprend normalement, mais je vais vérifier, Inch'Allah. D'accord. Je vais lui répondre en arabe littéraire et dis-lui s'il a compris. S'il a compris. Ça suffit. S'il n'a pas compris, je formule en plus simple et je traduis aussi en français. Je lui dis, النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفى عنه الإيمان المطلق ولم ينفي عنه مطلق الإيمان. تفضل، une autre question. Non, je lui ai demandé donc en privé en attendant sa réponse. Question suivante. Cher, vous avez parlé de la gravité de l'apostasie. Mais qu'en est-il de celui qui meurt sans avoir fait la prière? Pouvons-nous faire salat al-janaza sur lui ou doit-on le considérer comme apostat car il ne priait pas? Et cher, entre-temps, le frère m'a dit qu'il comprend, Inch'Allah. C'est pas qu'il comprend, dis-moi s'il a compris le problème. Est-ce qu'il a compris ce que j'ai dit? Réponds-moi. Ah non, vous aviez bien senti, cher. Il m'a dit qu'il n'a pas compris. D'accord. Une personne m'a dit, vient de me dire qu'elle a renouvelé. Elle a renouvelé mon pseudo, c'est-à-dire en bleu. Et il me demande d'essayer pour voir si ça marche. Donc je sors, Inch'Allah ta'ala, et je reviens pour voir si ça marche. Salam alaikum. Peut-être qu'en revenant, je trouve que la personne a compris. Wallahu alam, peut-être, hein? Inch'Allah. Tiens, bah, une petite idée me passe par la tête. Si une personne a la réponse, si quelqu'un connaît la différence entre mutlaq al-iman ou al-iman al-mutlaq, qu'il me l'envoie en privé pour voir, Inch'Allah. Il n'y a pas énormément de privés. Donc, Cheikh a dit que concernant, dans le hadith sur le zani, Allah, le prophète a nié al-iman al-mutlaq. Mais il n'a pas nié le mutlaq al-iman. Donc est-ce que quelqu'un a compris la différence entre l'iman mutlaq ou le mutlaq al-iman? Donc je disais, Naam, au fait, sallallahu alayhi wa sallam, donc je réponds à la personne qui a dit, comment le prophète a dit que, au moment de faire la fornication, celui qui fait la fornication, au moment où il l'a fait, il n'est pas croyant. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le frère dit, comment se fait-il qu'il n'est pas croyant? Donc, il y a apostasie, est-ce qu'il a apostasié? Voilà la question du frère. Je lui ai répondu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, a enlevé à cette personne, naam, la croyance absolue et non pas l'absolu de la croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enlevé la croyance absolue et non pas l'absolu de la croyance. Ce qui veut dire, iman mutlaq et mutlaq l'iman. Il lui a enlevé la croyance absolue, c'est-à-dire le fait d'être un vrai croyant. Un grand croyant, un croyant comme Abu Bakr et Omar et les Sahaba, radiyallahu ta'ala. Mais ne lui a pas enlevé l'absolu de la croyance qui est l'islam. Car le prophète a dit que quand quelqu'un fait la zina, au moment où il fait la zina, il n'est plus croyant. Il est seulement musulman. Voilà ce qu'a voulu dire le prophète. Il voulait dire, alayhi sallam, que c'est impossible que quelqu'un qui soit vraiment croyant fasse la zina. Mais au moment de la faire, tu es descendu, tu es tombé de la croyance vers l'islam, c'est tout, tu es musulman. N'oubliez pas le hadith pour que vous compreniez encore davantage. Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. N'oubliez pas le fameux hadith de Djibril qui est venu demander au prophète sallam, c'est quoi l'islam? Ensuite, c'est quoi l'iman, la croyance. Ensuite, c'est quoi la bienfaisance. Donc, ce hadith montre clairement que il y a musulman, ensuite il y a plus fort, il y a croyant. Ensuite, il y a plus fort, bienfaisant. Le prophète, alayhi sallam, veut montrer que si tu es croyant, tu as, mashallah, la croyance, au moment où tu fais la zina, tu as perdu ce statut. Tu descends, tu deviens seulement musulman. Car un vrai croyant a peur d'Allah, il ne fait pas la zina. Voilà ce que veut dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Et au frère qui a dit, donc il n'a pas ce qu'il a apostasie, je lui dis, tu viens d'entendre avec nous dans le cours que celui qui a apostasie, qu'est-ce qu'on lui fait? On l'exécute s'il ne fait pas la Touba dans 3 jours. Alors qu'en islam, celui qui fait la zina, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donne 100 coups de fouet s'il n'était pas marié. Alors que s'il était devenu kafir, on l'aurait exécuté et non pas on lui donne 100 coups de fouet et il va vivre encore des années avec les musulmans. Vous avez compris? Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Tfadal. En fait, cher, pendant que vous avez été déconnecté, j'ai demandé si certaines personnes connaissaient la différence entre mutlaq al-iman ou al-iman mutlaq. Au début, personne n'a répondu. La deuxième fois, quand j'ai reposé, il y a eu pas mal de réponses. Et parmi elles, il y a des réponses justes, mais je les ai enregistrées. Je n'ai pas pu encore toutes les lire. Barakallahu fikoum d'avoir tous répondu. J'ai enregistré vos réponses et on verra, inchallah, qui a eu raison ou pas. Parce que j'ai eu beaucoup de réponses. Donc la question suivante, cher, et il me semble que celle-ci vous n'y a. Est-ce que vous avez répondu sur du coup j'ai non j'ai à fois. Est-ce que vous avez répondu sur la personne qui meurt sans avoir fait salat, cher? Est-ce qu'on le considère apostat ou pas? Il me semble que vous n'y avez pas répondu, cher. Naam, avant cela, il faudrait que vous sachiez que, bon, ça vous l'apprendrez, inchallah, petit à petit, qu'il y a beaucoup de choses, naam, en islam, où il faut faire la différence entre l'absolu de la chose et la chose absolue. Comme j'ai dit maintenant, l'iman, al-mutlaq, et mutlaq, al-iman. Naam. L'iman, al-mutlaq, la croyance, yani, parfaite. Et, disons, la perfection de la croyance. Il y a une grande différence entre les deux. Il y a aussi ça dans beaucoup de choses. Comme par exemple, Ad-Dukhul al-Mutlaq et Mutlaq Ad-Dukhul. La rentrée au paradis absolue et l'absolu de la rentrée au paradis. Quand on dit par exemple que vont venir des femmes qu'essiyettes. Habillé, ariyet, nu. Habillé, dénudé. Ensuite, il a dit, entre autres, elles ne rentreront pas au paradis. Elles ne rentreront pas au paradis. S'il y a un nouveau en islam qui n'a pas demandé la science, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire donc, toute femme qui n'a pas porté le hijab, c'est pas voilée, ne rentrera pas au paradis. Et par conséquent, si elle ne rentre pas au paradis, ça veut dire qu'elle est kafira. Ça. Et nous, on lui répond vite en deux choses. On lui dit, si elle était kafira, l'apostat, on doit le tuer. Est-ce qu'en islam, on tue une femme qui ne met pas le voile? Tu vois? Donc, le premier point que je te marque. Regarde le premier point que je t'ai marqué. Celui qui est kafir en islam s'appelle apostat. Il doit être exécuté. Jamais on a exécuté une femme à cause d'eux, elle n'a pas mis le voile. Premier point. Et deuxième, lorsqu'il a dit à Islam, elle ne rentrera pas au paradis, non, il a éloigné d'elle la rentrée absolue et non pas l'absolu de la rentrée. Ça veut dire qu'elle ne rentrera pas d'une façon parfaite avec les premières qui vont rentrer au paradis. Mais elle va être retardée jusqu'à ce qu'elle passe par Jahannam si Allah Ta'ala ne lui pardonne pas. Pour avoir fait ce grand péché, ensuite elle rentrera au paradis car c'est une musulmane. Elle n'est pas devenue kafira. Tant que elle reconnaît le statut de l'obligation du voile et qu'elle sait dans son cœur que yani, elle est en train de faire un grand péché lorsqu'elle ne l'a pas mis. Et que, alhamdoulilah, elle n'a jamais dit, ni dans son cœur, ni aux gens, que le voile n'était pas obligatoire. Car si elle dit ça, elle va apostasier et sortir de l'islam. Walhamdulillah. Quant à celui qui ne prie pas, est-ce qu'il a apostasié, on prie sur lui, on ne prie pas? Ça, il y a une grande divergence. Car les savants ont vraiment divergé sur celui qui ne prie pas par paresse, est-ce qu'il est kafir ou pas? Si vous êtes de l'avis qu'il est kafir, ça veut dire qu'il a apostasié, on n'a pas le droit de prier sur lui, comme c'est l'avis de la plupart des savants d'Arabie Saoudite.
si on est d'avis que il n'est pas kafir, naam, comme c'est l'avis du Cheikh Al-Albani des quatre imams, des quatre grands imams, les rites, Ahmed, rahimahullah, deuxième version, qui se trouve dans le Mourni, dans ce cas, il n'est pas kafir, donc il n'a pas apostasie, donc je peux prier sur lui. Donc il faut bien faire la différence et voir yani, quelle est la vie que tu as choisie, quelle est la vie qui t'a convaincu. Tu as pris de la vie qu'il a apostasié, celui qui ne prie pas, donc tu ne peux pas prier sur lui. Et si tu as pris de la vie qu'il est toujours musulman, donc tu peux prier sur lui, et tu peux le prendre aussi comme tuteur si tu es une sœur et que tu vas te marier. Mais si tu as pris de la vie qui c'est un apostat, tu ne peux plus le prendre comme tuteur. Tout ceci, à condition que cette personne qui n'a pas prié, yani, n'est pas encore morte. Maintenant, si jamais cette personne qui n'a jamais prié est morte, naam, on va voir, on va demander, est-ce que cette personne, dans sa vie, quand elle était vivante, priait de temps en temps ou n'a jamais prié? Si elle n'a jamais prié, il s'est jamais prosterné dans sa vie, là les savants sont unanimes pour dire qu'il est kafir. Mais s'il priait de temps en temps, il restait comme ça 5-6 ans, il priait pas, ou bien il a prié dans sa jeunesse et il s'est arrêté, et comme ça c'est là qu'il y a la divergence. Bi-idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikoum, cher. Et dites-nous si combien de temps il reste encore, cher, pour savoir si on doit prendre encore d'autres questions. En attendant, cher, question suivante d'une sœur qui dit: ma question concerne les cours précédents. Comment expliquer le fait que les gens de la Jahiliya vont en enfer éternellement alors qu'ils étaient dans l'ignorance? Par exemple, les parents du prophète, aïssatou salam. Et alors qu'Allah Ta'ala pardonne à l'ignorant. Barakallahu fikoum, cher. C'est une très bonne question. Très bonne question. Car c'est impossible que Allah Ta'ala, yani, comme on a dit une fois, yani, châtie quelqu'un qui est ignorant et qui ne savait pas. Donc, pour sortir de ce dilemme, sinon, celui qui a posé la question ici a fait un problème. Et c'est une ambiguïté aussi. Pour sortir de ce dilemme, on va dire, comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est ça l'avis le plus fort. On va dire, puisque Allah Ta'ala ne châtie pas une personne qui est ignorante et qui a vécu dans un moment où il n'y avait pas de prophète, on va dire que les Arabes d'Arabie Saoudite, naam, où vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivaient qui? Suivaient la religion de Ibrahim alayhi salam. Pas comme Isa qui a été envoyé aux enfants d'Israël, non. Ibrahim alayhi salam, naam, les Arabes, je veux dire, les aïeuls des Arabes, leur grand-père, et on monte jusqu'à Ibrahim alayhi salam, naam, et son fils Ismaël, suivaient sa religion. Et ils ont dévié d'elle. Ils ont dévié d'elle et ont commencé petit à petit à adorer les idoles, etc. C'est pour cela qu'ils ne sont pas excusés. C'est pour cela qu'ils ne sont pas excusés. Contrairement à ceux qui ont vécu dans une période où il n'y avait pas, naam, il n'y avait aucun prophète et ils ne suivaient aucune religion. Naam. Ceux-là, ou là, ceux qui vivent en Amazon, ou là, ceux-là, ils vont être testés, Yom al-Qiyamah, comme dans le hadith sahih qu'on a cité la fois passée, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Albani a cité le hadith de Aïcha dans Silsila Sahiha, quand elle lui a dit, en parlant de quelqu'un qui s'appelle Ibn Jad'an, elle lui a dit, yani, en ce sens que, yani, il a fait des choses, mashallah, elle voulait dire qu'il serait au paradis. Il a dit, Kalla, aucun nom. Aucun oh non, il n'a jamais dit Rabbi ghfirli yawmiddin. Il n'a jamais dit Oh mon Seigneur, pardonne-moi le jour de la résurrection. Non, il a dit donc, yani, il savait que yani, il fallait dire cette chose, il n'a jamais dite, non, mais il a vécu comme ça, yani, avec les idoles, etc. Il ne sera pas pardonné. Sinon, comment Allah Ta'ala ne pardonne pas au père du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid Walid Adam, le maître des enfants de Adam, Muhammad alayhi wa sallam, il ne pardonne pas à son père ni à sa mère. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas excusé. Naam.
Ils avaient le dîn des choses qui sont restées comme ça, du dîn de Ibrahim, et ils ne l'ont pas appliqué. Naam, tfadhal. Barakallahu fikoum, cheikh. Vous ne m'avez pas dit combien de temps il restait. Donc, question en attendant, question suivante d'une sœur qui dit: j'aimerais savoir, cheikh, si le fait d'insulter l'islam par ostentation, suite au fait d'avoir été boycotté par les salafis, est-ce que cela est de l'apostasie, barakallahu fikoum? Et elle a une deuxième question que je vous poserai plus tard, inshallah. Naam, insulter l'islam en ayant la raison et en comprenant ce qu'on est en train de dire, naam, fait sortir de l'islam unanimement. Naam. Sauf pour une personne qui croit, si la personne, par exemple, ne sait pas ce qu'elle est en train de dire, ou si la personne, par exemple, disons, ça lui arrive de perdre la raison. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'il dit, ou bien. Mais toute personne qui sait ce qu'il dit comme ça, elle le dit, je le dis comme ça, elle est par orgueil, cette personne a apostasie, il faudrait qu'elle demande à Allah Ta'ala pardon et revienne vers lui et décide de ne plus refaire ce péché, de ne plus redire une phrase pareille, bi'idhnillahi Ta'ala. Et elle remercie Allah Subhanahu wa Ta'ala que quoi? Que cette personne elle est toujours vivante et que tant que la personne est vivante, toutes les portes d'Allah Ta'ala sont ouvertes, les portes de la miséricorde, jusqu'à ce que la personne meure, bi'idhnillahi ta'ala, ou que le soleil se lève du couchant, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là-bas c'est terminé le repentir. Tfadlal. Le timer, c'est. Je suis en train de demander quand est-ce que je vais manger. Quand ils vont m'appeler à manger, je vous dis salam alaikum. Sauf si je trouve des aubergines, je reviens. Ah, si je trouve des aubergines, on va continuer jusqu'au fajr. Je serai énervé et on continue jusqu'au fajr. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Naam Fouzi, j'ai bien reçu ton whisper. Une question suivante d'une sœur qui dit. Non, Afouan, cher. La deuxième partie de sa question, c'était: quel est le pire, l'athée ou le mouchrik? De plus, dans Tafsir Surat al-Baqarah, verset 102, il est dit qu'il est interdit d'apprendre le sihr. En fait, il y a beaucoup de questions, Afouan, cher. Donc, quel est le pire? Là, t'es le mouchérik, et après je passerai aux questions d'autres personnes, parce qu'on ne peut pas poser énormément de questions non plus de la même personne. Allah Ta'ala cite dans le Coran qu'il n'y avait pas d'athée. Vous avez compris, Allah Ta'ala cite dans le Coran que l'athée, en fait, reconnaît dans son cœur, dans son fort intérieur, reconnaît qu'il y a un Dieu. Mais seulement il ne veut pas le montrer. En ce sens, le mouchrik, c'est quoi? Qui a adoré Allah et en même temps un autre avec lui. En ce sens, au moins il a adoré Allah. Je ne peux pas dire que il est mieux que l'athée, mais au moins, yani, il a adoré Allah, mais en même temps, il a ajouté aussi un autre avec lui. Mais les deux, yani, sont dans un état grave. Et comme j'ai dit, que yani, Allah Ta'ala a dit que même Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmoullah, dans son sharh de Kitab Tawhid, le Qawl Mufid, il dit que les Arabes n'ont jamais connu ça, ce qu'on appelle l'athéisme. Le premier qui a été cité, l'athéisme, Zama, il a dit c'est Pharaon. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, bien que de nos jours, il y a cette catégorie d'athées. Mais en fait, dès qu'il se passe quelque chose ou là, ils sentent dans leur cœur que quoi? Qu'ils sont dans le faux. Et qu'il y a quelqu'un qui régit cet univers, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadlal. Comme question suivante, est-ce que le fait de parler avec quelqu'un lorsque l'on a peur ou quand on est très triste, est-ce que cela fait partie des grands péchés ou de l'apostat? Car des fois, quand j'ai peur ou que je suis triste, je contacte certaines sœurs pour qu'elles me conseillent ou bien pour pouvoir parler avec elles afin de ne pas me sentir seul tout en sachant que seul Allah guérit les cœurs. Après cela, je me sens bien, alhamdoulilah. Est-ce qu'il y a un mal dans cela? Barakallahu fikoum. Qu'Allah vous récompense, cher. Donc, est-ce que cela
est un grand péché ou de l'apostat, cheikh? Allah yahdik celui ou la celle qui a posé cette question à ce point, subhanallah l'azim. Naam, salam alaykoum, j'étais déconnecté. J'ai dit à cette personne, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la guider encore davantage. Quand je dis de la guider davantage, c'est pas dans le mauvais sens, c'est dans le bon sens. Quelqu'un te fait des doigts, dit alhamdoulilah. Bon, mais c'est un peu grave de poser des choses pareilles. Yani, un grand péché de demander de yani de téléphoner à ma soeur ou bien d'aller chez elle ou bien de lui raconter yani, ce que je sens comme malaise. Et ou alors est-ce que ça peut être l'apostasie, c'est-à-dire je sors carrément de l'islam, je sors carrément de l'islam pour avoir raconté à ma soeur que j'ai des soucis et que je voudrais qu'elle me distrait un peu, subhanallah l'adim. Ça c'est vraiment grave. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans un hadith rapporté par Cheikh Al-Albani dans Sunan Nasa'i, Sahih Sunan Nasa'i, où une personne a dit, Ya Rasulallah, si quelqu'un veut me prendre mes biens, comment je fais? Il a dit, Dhakkirhu billah, Dhakkirhu, yani invoque Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que exhorte-le. Car il pense qu'elle s'est tournée vers la personne au lieu de se tourner vers Allah, je pense que c'est pour ça. Naam. Quand elle s'est tournée vers la personne, je termine ce hadith, je reviens, inshallah ta'ala. Al-Muhim. Ensuite, il lui a dit, ne le laisse pas prendre tes biens. Non, mais il lui a dit, invoque, exhorte-le. Dis-lui, anittaqillah, ou cite-lui un verset, peut-être qu'il va se détourner. Il a dit à Rasulallah, et si je lui invoque le verset, et il ne veut pas, ça ne lui fait rien. Écoutez, hein. Il lui a dit alors, il lui a dit, Istain, non, Ali bi Sultan. Alors demande, cherche de l'aide chez le gouverneur. Le gouverneur, c'est la police, la gendarmerie, etc. Lui a dit à Rasulallah, si le gouverneur est loin, Naabi. Il lui a dit alors, cherche de l'aide chez un musulman. Appelle un musulman qui t'aide. Non, ça c'est juste pour qu'il te prenne un bien. Le prophète Aslam t'a permis de faire, yani, appel à un musulman et de demander de l'aide juste pour qu'il ne te prenne pas ton portable car il veut t'agresser ou bien il va te prendre ta montre ou ta chaîne d'or. Qu'en est-il maintenant toi? Tu cherches de l'aide, subhanallah l'adim, pour yani des problèmes qui sont encore plus graves. Des problèmes de sentiments et de cœur et de... Yani, tu as peur de t'égarer, de sombrer, de... Subhanallah l'adim. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit... Il a dit, celui qui peut être utile, qu'il le fasse. Donc c'est une preuve que mon frère peut être utile pour moi. Et la meilleure chose en laquelle il peut être utile en moi, c'est quand j'ai des soucis, surtout si ça se rapporte à mon din, et je ne comprends pas des choses, et je ne me sens pas rassuré, et ceci, cela, et je fais appel à lui, il m'aide, en me donnant des conseils, en me montrant quels sont les livres que je dois lire, quelles sont les choses que je dois éviter, quels sont les amis que je dois avoir, quels sont les amis que je dois éviter, ce que je dois faire pendant la journée, tout ça. Naam. Donc, je dis, c'est une chose, Inch'Allah ta'ala, permise, naturelle, naam, que tout le monde fait par instinct, naam, je demande, yani, mais ce qui est haram ou la grave ou là, c'est de demander à mon ami une chose que seul Allah ta'ala peut donner. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Naam. Si je demande à mon ami, je lui dis, écoute, j'ai des soucis, je ne comprends pas tel hadith, est-ce que tu as lu quelque chose en ce sens? Il me dit, oui, j'ai lu ça, ou j'ai entendu un savant dire telle et telle chose. Alhamdoulilah, c'est une aide pour moi et une récompense pour lui. Et maintenant, si je lui demande, je lui dis, écoute, j'ai des soucis, je ne peux pas avoir d'enfant. Est-ce que, par exemple, si je lui dis, est-ce que tu connais un médecin ou non, non, c'est pas grave. Mais je lui dis, par exemple, est-ce que... Tu peux faire quelque chose, toi. Tu peux faire quelque chose dans ce sens. Tu peux me les donner. Naam. Tu peux me donner, toi, yani, des enfants. Subhanallah l'adim, enfants. Seul Allah Azza wa Jal. Naam. Lui dit, je pense de toi du bien et yani, peut-être tu peux m'en donner. Ça rentre dans le shirk, carrément. Ça rentre dans l'apostasie. Il y a une grande différence entre ça, entre lui dire, est-ce que tu connais un médecin qui est connu
dans les problèmes de la grossesse, etc. Et le fait de donner des médicaments en ce sens. Elle dit, c'est pas... Tfadal. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: Hassanallah ilaykoum. Si j'ai bien compris, Wallahu a'lam, vous avez dit dans le cours que celui qui délaisse sa prière volontairement a apostasié. Pour les musulmans qui ne pratiquent pas la prière, et ils sont nombreux, notamment en pays arabes, sont-ils concernés car ils sont enterrés dans les cimetières musulmans et on prie sur eux, tout comme on le fait pour une personne qui priait de son vivant? Pouvons-nous dire de manière générale, sans citer des personnes en particulier, que celui qui délaisse sa prière n'est plus musulman? Pouvons-nous hériter de lui? Barakallahu fikoum, nous éclairer. Allahu a'lam, cher, ça correspond à la réponse que vous aviez dit tout à l'heure, non? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, cher? Et pour finir, elle a dit quand même, Barakallahu fikoum, nous éclairer. Donc, hafidhakum Allah, qu'Allah nous fasse vivre dans son obéissance et nous fasse mourir en pleine soumission, et qu'Allah nous accorde le firdaus et la bonne compagnie des pieux ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Donc, cher, si vous avez une chose à ajouter, sinon je passe à la question suivante, inchallah. Non, j'ai rien à ajouter. Je voudrais juste lui faire une petite remarque. N'oublie pas qu'on est en train de lire un livre de le grand savant Cheikh Fawzan Hafidhahullah. Et Cheikh Fawzan Hafidhahullah Ta'ala fait partie des savants d'Arabie Saoudite qui sont de l'avis que celui qui ne prie pas est kafir. Donc, c'est très clair que ça doit donner que. Donc, il a apostasié, on ne prie pas sur lui, on n'hérite pas et on ne le lave pas, etc. etc. Même Cheikh Ibn Uthaymeen dit comme ça. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, s'il y a quelqu'un de la famille qui meurt sans avoir prié, il dit, on doit le mettre dans un drap et ensuite on ramène un manche à balai et on commence à le pousser, à le rouler comme ça par terre. Il a dit, on va creuser un trou qui est une tombe. Ensuite, après l'avoir mis dans le drap, on ne touche pas avec nos mains. Il a dit, parce que c'est une charogne. Il a dit, on commence à pousser avec le manche à balai, on le roule, jusqu'à ce qu'il tombe dans la tombe, on jette dessus la terre et on va chez soi. Nam. Donc ça c'est, si on prend de l'avis de, comme j'ai dit maintenant, des grands savants d'Arabie Saoudite. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: dans le cours, il est question d'un délai de 3 jours pour se repentir. Autrement, il faudrait le tuer s'il ne se repent pas. Mais avant cela, les actions sont suspendues. Donc, est-ce que les actions sont suspendues pour 3 jours et qu'après c'est trop tard? Ou même si la personne a apostasié pendant 10 ans et revient vers l'islam, ses actions lui reviennent? Jazakumullahu khair pour tout ce que vous nous faites, pour tout ce que vous faites pour nous. Vous nous apportez vraiment beaucoup dans notre vie, cher, walhamdulillah. Barakallahu fikoum, et moi aussi avec vous. Ça m'aide aussi en ce sens que, bi'idhnillahi ta'ala, ce que j'ai appris, ce que Allah ta'ala m'a appris. Yani, ça, en le transmettant, ça, comment on dit, yani, ça se grave aussi chez moi. Vous comprenez, car à force, si on apprend une chose et on la propage pas, on va l'oublier. Mais à force de répéter comme ça des choses, donc moi-même, yani, je révise et j'apprends avec vous, alhamdoulilah. La réponse c'est non, la réponse c'est ce n'est pas les 3 jours. Mais même s'il reste 20 ans et qu'il n'est pas encore mort, non, alhamdoulillah, à partir du moment où il revient, yani, ses actions vont redémarrer. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de refaire le Hajj. Pourquoi? Parce que maintenant il est revenu vers l'islam. Et si jamais il était mort pendant le temps de suspension d'apostasie, yani, c'est parti pour lui et c'est terminé pour lui. Non, rien ne sera accepté. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran, et ce verset s'applique aussi sur eux. Une seconde, comment ils ont traduit ce verset? Une seconde. Voilà, puisque tu as donné le verset avant moi, je te donne aussi en anglais, râle, pour marquer un point. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Donc tout ce qu'ils ont fait, puisqu'il est mort kafir,
Nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Tout ce que tu as fait, le Hajj, tout ce que tu as fait, Siyam, ceci, cela, et tu es mort, kafir, apostasie, ça a été réduit en poussière. Et au contraire, quand c'est réduit en poussière, c'est plus grave. Tu vas sentir, yani, tu vas sentir ton cœur te déchirer. Tu vas dire, ah, si je n'avais pas apostasie, ah, le shaitan, qu'est-ce qu'il a fait de moi? Ah, toute cette salat, tout ce Hajj, tout ce siyam, tout l'argent que je donnais fi sabilillah est parti comme ça dans le vent. Ah, dans le vent. Si au moins j'étais tout le temps kafir, yani, j'aurais pas vu mes œuvres aujourd'hui comme ça partir dans la poussière. En poussière, afoun. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Un frère demande, cher, est-ce que c'est vrai que Cheikh Al-Albani est revenu sur son avis concernant l'abandon de la salat vers la fin de sa vie? Barakallahu fikoum. Je n'ai jamais entendu cela. Je n'ai jamais entendu cela. Par contre, je vous annonce la bouchra, la bonne nouvelle, que Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, j'ai lu, ça fait ça seulement 2 mois, ou peut-être même pas, qu'il a dit que maintenant, parce qu'il a toujours dit que celui qui prie pas, il est kafir. Il a dit maintenant, je m'arrête. Je ne dis plus il est kafir, je m'arrête, je suis dans une période, c'est-à-dire où je marque un arrêt. Ce n'est plus clair pour moi comme autrefois qu'il est kafir. Maintenant, je réfléchis jusqu'à ce que je prenne, inshallah ta'ala, un nouvel avis ou là une nouvelle position, bi'idhnillahi ta'ala. Car c'est pas facile, c'est pas facile de dire comme ça, vite il est kafir, alors que Imam Malik dit il n'est pas kafir. Abu Hanifa dit, rahimallah, il n'est pas kafir. Shafi'i hafidhahullah dit, il n'est pas kafir. Ahmed ibn Hanbal, dans la deuxième version, citée par Al-Mughni, il dit, il n'est pas kafir. Donc, les quatre grands imams, ils disent, il n'est pas kafir. Faut pas aller se précipiter comme ça. Voilà, chauffe Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala. Regarde, il suit pas les passions ou là, non. Il suit le dalil. Ensuite, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah ta'ala va faire sortir yom al-qiyama. Écoutez bien le hadith. Qu'est-ce qu'il a écrit celui-là? Voilà, ukhfikum anni raja'tu wa khayna madhhab al-jumhur, fa man balagha anni ghayri hakum ruja'u anni an raja'tu min dhahr li ma astati' ahad yulzimuni. هذا الشيخ جابري حفظه الله regardez ce qu'il dit ولا أخفيكم أني راجعت وأخينا مذهب الجمهور non c'est pas ici c'est pas il a dit j'ai fait un arrêt c'est plus il a dit je vous apprends et je ne vous cache pas que je suis revenu vers l'avis de la plupart des savants ça veut dire j'ai quitté l'avis qui dit qu'il est kafir فمن بلغ عني غيره هاكم رجوع عنه quiconque يعني il a été rapporté autre chose alors qu'il sache que voilà mon désistement. Je me suis désisté de l'autre avis. Ana raja'tu anhu li adilla dhartli. Je suis revenu vers ce madhab qui dit qu'il n'est pas kafir pour yani, des dalils. Il a dit j'ai des dalils. Ma yastati'u ahadun yulzimuni. Il a dit personne ne peut me contraindre. Lesh, il a dit pourquoi? Mou ala kifak. C'est pas toi qui commande, c'est pas tu fais ce que tu veux. Naam. La ma huwa hakim aliya lish kada. Ma la ushur. Naam. Qui s'occupe de ses affaires. On a dit self. Moi j'ai des self que je suis en train de suivre. In wasaftani bil irja. Si maintenant tu m'accuses d'être mourji. C'est comme ça les takfiri. Dès que tu dis une chose, tu es devenu mourji. Naam. In wasaftani bil irja. Moi j'ai des self. نعم يطولهم وصفك رغم أنفك نعم كل تعالى مت طني بارتر طني بارتر الجمهور مرجئة ها لي بلو بار دي سافون سون دي مرجي كل الله مت طني دون لا تير ما يصير ليش يا اخي تصي بوكو تي لور دي كوم سا بوكو تي لي كاليفي انسي لماذا تصفوني بالارجاء مينتونون بوكو موا tu dis de moi que je suis mordi.
ولا تصف الجمهور بالمرجئة. نعم moi je suis مرجي. Donc tous les savants les autres sont aussi مرجي. Hein? Imam Malik, Imam Ahmed, Shafi'i, Abu Hanifa, ils sont tous des مرجي. Hein? Maïsir. نعم ليش ليش il a dit il n'y a personne maintenant qui peut te donner un coup d'épée au cou. نعم dis ce que tu veux. تفضل. J'ai terminé, cher Mohamed, tu n'as pas entendu ce que je disais, vous n'entendiez pas? C'était chez toi, Alhamdulillah. Wasmo, Ibn Mohamed, pose inshallah ta'ala la dernière question. Pose la dernière question. Bi'idhlillahi ta'ala, on vient de m'appeler. Femme, on vient de m'appeler, pose la dernière question. Allahu Akbar. Question, Inch'Allah. Et comme c'est peut-être la dernière question, on va laisser Muslim la lire, Inch'Allah. Tfaddal, Akhil Karim. Barakallahu fik. Donc la dernière question, Inch'Allah. Question d'une sœur. Ma sœur a plusieurs fois arrêté la prière et elle espère toujours la reprendre. Comment dois-je la considérer? Est-ce une non-musulmane? Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. نعم ta soeur alhamdulillah fiha khair khair kabir masha Allah alayha. Pourquoi masha alayha? En ce sens que au moins elle a prié. Regarde celles et ceux qui n'ont jamais prié, et si tu lui dis écoute la prière, tu lui dis allez va jouer, va jouer, moi tu crois que j'ai le temps pour penser à la prière? Donc celle-là au moins elle a prié. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Sa foi a faibli. Et Shaitan et les tentations et les passions ont eu le dessus sur elle. Celle-là, Nam, il y a toujours dans son cœur, Nam, quelque part du bien. Du bien qui maintenant, c'est comme, comment dirais-je, vous savez, un bateau quand il coule, ensuite il est enseveli, enseveli de sable. Il est en bas, dans le tréfonds de la mer, enseveli de sable. Il faut juste y aller, qu'il y a dessus, etc. De nouveau, ensuite il va naviguer, il va voguer bi'idhnillahi ta'ala de nouveau. Donc cette sœur, inshallah ta'ala, ta sœur, a besoin de quoi? A besoin d'exhortation, a besoin d'invocation, a besoin que quelqu'un lui montre de nouveau le chemin, a besoin de quelqu'un qui yani, lui fasse des rappels et des exhortations. Et comme ça, Nam, considère-la comme musulmane. Et on vient juste de citer l'avis de Cheikh Obeid al-Jabir, Hafidahullah. Nam, alors dit, yani comme lui, qu'elle est musulmane, Inch'Allah Ta'ala, et qu'elle reviendra, Inch'Allah Ta'ala, vers le Haqq. Nam, et toi, ta sœur, tu as aussi une responsabilité de lui parler de temps en temps, de lui faire des exhortations. Nam, de l'inviter doucement à revenir, inshallah ta'ala, vers le haqq. Et nous, on dit, Allahumma ya Rabb, arji' hadha al-ukht ila al-haqq, na'am. Allahumma ariha al-haqqa haqqan, warzuqha ittiba'ahu, wa ariha al-batila batilan, warzuqha ijtinabahu. Allahumma ihdiha, Allahumma ihdiha, Allahumma ihdiha. Wahdi jami'a ikhwanina wa akhawatina, wa jami'a ahlina, na'am. Wa jami'a aba'ina wa ummahatina. وإخواننا وأخواتنا اللهم اهدهم جميعا يا ربي وبصرهم وتوب عليهم وأبعدهم عن الزيغ والضلال آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته